Salut Eleanora, du coup, salut Nostralix, comment allez-vous? Coucou, ça va? Ça va. Et vous? Ça va. Ah Imhotep. ben, écoute, comme une dernière semaine. Imhotep. Avant les J'ai vacances. enfin vu Kaamelott. Ne. Encore. Pas de Je dis spoil. rien, vous l'avez pas vu. Ok, je dis rien, je dis rien. À la fin, il tombe dans la lave. Ouais, et puis il y a l'anneau là qui tombe dans le volcan et. Putain, les aigles et tout, ils se posent sur Poudlard. Ouais, j'ai pas compris. Et puis Ensuite, il y a un après, nouveau riff, il se fait couper et la après, tête. t'as l'étoile noire qui explose. Et à la fin, Ah, le Wookie, il a pas juste de un médaille. mot, Non, c'est là où il y a magistral. le robot qui Voilà, dit qu'il c'est sera tout de ce que j'ai retour. à dire. C'est ça. Puis le mur de glace, il tombe aussi. Ouais, et puis enfin, il y a des mecs tout blancs gelés bizarres. Enfin, c'est. Et des dragons blancs aux yeux bleus. Ouais, alors. Pas compris, quoi. Aucun lien avec la Et série, à la tout fin, dégueulasse. il devient maître de la ligue. Bah non, il perd la ligue. Ah oui. Non, il a gagné, il a fini par gagner. Oui, il a gagné genre, il y a genre 2 ou 3 ans, mais. C'est ça. Bon, Attends, parce que dans le film, il gagne jamais la ligue? pas dans le film, dans la série. Dans les séries et les films d'ailleurs. Même les films, oui, au final. Sacha ne gagne jamais la ligue. Il est con, il a juste à farmer. C'est une tristesse. Ouais. Je veux dire, c'est pas compliqué de gagner la ligue. Tu fais des combats, tu gagnes des trucs. Bon, bah ok, à chaque fois que tu meurs, ton thune est divisé par deux, mais c'est pas grave. Il est con, Sacha. Autant pour moi, il gagne la ligue orange, la pseudo saison 2 là. Ah oui, c'est vrai. La ligue orange, on dirait une espèce Orange. de ligue de sport un peu secondaire. Bah, Bah, c'est le cas. mais genre la ligue orange, c'est sponsorisé C'est par genre Orange. autour de France, tu vois, t'as le maillot jaune et puis t'as le maillot orange, tu vois, ça. Un maillot secondaire dégueulasse. J'ai entendu dire que il y aurait un projet de série live action autour de C'est Pokémon. vrai, c'est vrai, je l'ai D'où entendu aussi. Jésus. Ouais. Mais Oh alors, mon produit par Dieu. des Japonais ou produit par des Américains? Non, attends, c'est Ah, produit par oula. quelqu'un de célèbre. Ah, super. Il y a des Ouais, Américains, des ça va Japonais être célèbres, hein. américain. Oui, non, quelqu'un de très sérieux. Il y a des J'ai Japonais oublié. sérieux. Il y a des Ça serait sur Américains sérieux aux Netflix en adaptations? plus. C'est. Alors attends, c'est le showrunner de. Merde, c'est comment la série Netflix avec Lucifer. Oui, voilà, c'est ça. Et ce serait dans le style de Détective Pikachu. Que Ah, d'accord. j'ai eu du mal à apprécier. J'ai beaucoup trop aimé Détective Pikachu. Ça n'a C'est pas grave. aucun En fait, intérêt. voilà, faut se détacher de ce que tu connais de Pokémon, et en fait, c'est un bon film. Je sais qu'il a été fait pour des mauvaises raisons. Je sais qu'il chie sur plein de choses. Et en fait, Quand je j'ai bien redémarre aimé le mon film. PC, il galère là. Je suis désolée. Vas-y. Le lien du Scribble de ce soir est dans le canal Mardi va Sound. Ok, Ok. même pour redémarrer, il galère. C'est fou. Et si vous savez pas comment ça s'écrit comme ça. Comme ça se prononce. Et je peux vous dire que autant comme ça, je pense, prendre ça dans la tête, ça peut peut-être paraître lourd, je pense. Ah, t'es en train de montrer à l'écran les stickers s'emballer ou les Les stickers s'emballer. sous-bocs, plus de poids quand même. Les sous-bocs. Je ferai une petite vidéo de remerciement quand j'y penserai, en mode déballage de tout ça, parce que pour l'instant tout est sous plastique encore. Tu vas faire une vidéo unboxing. Ouais, mais ouais, il y aura du unboxing, mais surtout pour faire un vrai mot de remerciement pour la campagne, parce qu'au final, j'ai pas vraiment, enfin, on n'a pas encore vraiment dit merci Oui. sur la campagne en tout cas. Y a pas eu de conclusion, enfin de Et voilà, c'est réelle ça. conclusion. Et puis après, c'est ce que j'attendais vraiment de passer à l'imprimerie pour récupérer tout ça, pour faire ça. Donc c'est fait, hein, depuis hier. Et maintenant, il faut plus ou moins écrire un petit truc en 3 minutes, vite fait, tourner ça. Montage, vie YouTube. Bisous, cordialement. Bonjour. Franchement, les stickers et les sous-bocs, ils auraient pu être faits plus tôt. Hein. Si seulement la personne qui s'occupait des logos avait fini son travail plus tôt. Ça, alors, je vais dire un truc très très sincère, ça n'aurait rien changé. En vrai, je m'en doutais un peu, Les, je les, savais les. c'est pas n'importe quelle imprimerie et ils font en fonction des dates, ils font certaines choses et pas tout. C'est pas une imprimerie à la chaîne. Du coup, je savais qu'à telle date, ils allaient imprimer les stickers.
pour plein de choses différentes. À telle date, c'était les flyers, à telle date, c'est les affiches, à telle date, c'est les sous-box, à telle date, c'est autre chose. Ils font des lots pour pas utiliser à moitié leur machine. Voilà, exactement. Et quand plus la date approche, vraiment dans les trois derniers jours de blocage des machines pour dire bon, bah, à telle date, on fait les sous-box, ils cassent les prix en plus dessus pour dire c'est bon, lancez les sous-box maintenant, on vous les valide très très vite et ça part à l'impression directe. Et vu que j'avais mis un délai long, et après, c'est une entreprise très humaine et très familiale, avec des encres en plus non polluantes, sur des papiers recyclés et tout. Bon, bref, plein de bonnes choses. Et en plus, sans déconner, ce sont les moins chers avec une qualité impressionnante. Bref, c'est, voilà. Je ne dirai pas le nom, mais je vous porte dans mon cœur. Bref, nous sommes sur Scribble.io ce soir, nous sommes mardi, il y a des gens avec nous sur Discord, donc il y a Ralga, il y a Nostralix, Mr. Green et elle, Anora. Si il y a des gens qui veulent se rajouter dans la soirée, allez-y, bon pas à 2h du matin, il n'y aura plus personne, mais... Je pense pour toi, hein. Ouais, bon. J'avoue. Allez, pistache. mais allez-y, alors, rajoutez-vous, quoi. Donc bon. On attend juste Nostralix qui a le lien quelque part. Je vous propose un Acer qui redémarre à la vitesse d'un escargot finalement. D'accord. C'est une custom word. Ne cherchez pas un thème précis. C'est en canard. C'est ton PC qui redémarre. Exactement. Tu disais custom words. Custom words, mais ne cherchez pas des thèmes précis. Il y a de tout. Il y a des objets, il y a des animaux, il y a des métiers, il y a des expressions. Voilà. J'ai cherché sur des internet custom words français Scribble, j'ai fait copier-coller. Il n'y a pas de E dans l'eau. Hein. Normalement, je les ai enlevés. Ça, j'ai fait attention. Mais alors, les apostrophes, je t'avoue, j'ai pas. Les apostrophes, on va en manger. C'est tout. Écoutez, commencez la game sans moi parce que je sens que là. Attends, je cherche les apostrophes. Là, on va ramer un moment. Patientez. Ben, je patiente, écoute. Ah, là, il y a une apostrophe, je l'enlève. Mais il fait une mise à jour de Windows ou bien... Non, il faut le temps de patienter, de toute façon, c'est bon. Un jour, faut que je me résoudre à le changer. Voilà, c'est ça, c'est tout. Mais du coup, c'est un PC portable, il a quel âge? Un PC portable, oula. Et un Pentium 2. Il a... Attends, je réfléchis. Attends, je compte. T'as besoin de tes deux mains ou pas? Non, pas de demain quand même. Tu peux juste nous donner une date en réalité, je pense. Hein. Mais attends, je réfléchis, en quelle année je l'ai eu en fait, je sais plus. Bon, en fait, je pense qu'il a 5 ans en fait. Il a 5 ans. Il a 5 ans, mais. Ouais, non, c'est pas petit jeu. Après, ça dépend, c'était un PC de. Si c'est un PC d'entrée de gamme d'il y a 5 ans. D'entrée de gamme, il y a 50, très clairement, c'est ça. Alors, il a un SSD d'équipé? Non, je pense pas. PC d'il y a 5 ans, j'espère que si, surtout. Non. Je suis pas sûr. Je t'assure que non, il y a 5 ans, non. Mon PC portable, il a 6 ans, 7 ans, c'était entrée de gamme, il a un SSD. J'ai beau avoir commencé les SSD il y a 3 ans, ça existe sur l'entrée de gamme depuis 10 ans quand même. C'est pas des gros disques, évidemment. Sans mon PC, je l'ai abandonné, voilà, c'est tout. J'allume pour les Vardiva Sound, voilà. Et sinon, je fais tout sur mon téléphone, maintenant je l'abandonne. Mais il faut allumer ton PC, ne serait-ce que pour les mises à jour. Ça encore, ça va, je crois qu'il les a toutes faites la semaine dernière. Vraiment, la semaine dernière, il a fait que ça. Mise à jour. Mais sinon... J'ai plus le temps de jouer, alors le pauvre, vraiment, il sert plus à rien, quoi. Alors, il peut arriver que... En tout cas, c'est un problème que je rencontrais de temps en temps sur Windows 7, et que j'ai notamment rencontré sur le PC du boulot, que si tu fais genre toutes les mises à jour d'un coup, à un moment, il installe potentiellement des mises à jour pas dans le bon ordre, et il perd ses pinceaux, et du coup, le truc de Windows Update se met à tourner dans le vide en permanence. Ah, c'est catastrophique. Ça, j'ai regardé ça, là. Oh là, Ah non, c'est bon, fou, j'ai eu peur. Sinon, la solution, c'est de voir à quel point ton disque dur est rempli, et s'il reste moins de 20% d'espace, notamment sur un SSD, faut faire gaffe. Parce non, ça, je regarde fréquemment, parce que bon, il rame du cul, un truc impossible, et ça va. Pardon. Ok. C'est-à-dire qu'il a une rame dans la nuque, et puis hop. Ah, d'accord. Voilà, il rame. J'ai entendu, il y a rame avec ses fesses.
J'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup de choses Peggy 18 dans le disque dur. Quoi. Non. Ah oui, il n'y a que de ça. Vraiment, essentiellement, je fais que ça, hein, à tout le temps. Hein. Mon disque dur. Bizarrement, avec beaucoup de chevaux et d'armure. Disque dur. Et d'Olivier Mine. Très chelou. Olivier Mine, bien sûr. Alors, je ne suis pas sûr de vouloir savoir sur quel site tu vas pour trouver des... Vous savez que j'ai croisé... Non, attendez, on parle d'Olivier Mine. Deux secondes. Olivier Mine sur un cheval en armure. Non, mais j'ai croisé... Un cheval en armure sur Olivier Mine. J'ai croisé son sosie l'autre jour et vraiment c'était... Ah, j'ai eu un gros moment en moi. Mais vraiment, qu'est-ce en qu'il mode... dit que c'était son sosie? Mais si, parce qu'il y avait quand même des petits détails, tu vois, c'était pas Olivier Mine. Mais... Ouais, il était blond avec une moustache et tout, mais... Non, mais genre... Il mesurait 1m40, il faisait 128 kilos. Le visage collait presque, mais tu vois, c'était pas exactement le même visage non plus. Tu vois, il n'y avait pas de sosie parfait, mais c'était quasiment, quoi. C'était... Waouh, Dieu qui fait. Il y a quelqu'un dans le chat qui demande si il ou elle peut venir. On lui dit oui. Allez, viens. On est bien. On est bien. Regarde alors, tout ce qu'on peut faire. Chère personne dans le chat, NX Monstax, rejoins le Discord et on te switch en vocal et oui, tu pourras venir. Ouais. Ben, le bot, il a pas dit Discord. Attention, ouais. Les icônes du bureau s'affichent doucement. Oula. Tout doucement. On y arrive. Par le poste de travail. Non, ensuite, la... on affiche tranquillement. Il y a d'abord la corbeille. C'est tellement ça. Le raccourci vers Windows Media Player. Non, d'abord il y a tous le fond d'écran qui charge comme les vieilles images en 56K. C'est franchement. Comme les. On voit le même fond d'écran depuis 5 ans. Vraiment, c'est le même fond d'écran, c'est fou. Bah, faut pas que tu changes, le PC il supporterait pas. Ah non, ah bah non, il serait en mode qu'est-ce que tu me fais là? Il se sentirait trahi, c'est en mode mais tu sais que je supporte pas ça, pourquoi? J'ai un pote qui a le même fond d'écran depuis quasiment 15 ans. Ouais, je comprends. Et c'est une photo de spaghetti bolognaise que j'avais fait. Il devait être vachement bon. Ah oui, bah évidemment, c'est moi qui l'ai cuisiné. J'ai eu très peur que ce soit une photo 800 par 600 ou. Non, en plus, non, c'est en même temps un téléphone. Il avait pris ça avec un appareil photo quand même. Donc ça restait une photo. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Mais c'était du. Tu sais, les X mégapixels là, mais du coup, je sais pas combien ça représente vraiment en résolution. Mais ça passe sur du 1080p sans problème. La légende raconte que je vais bientôt pouvoir ouvrir. Discord sur mon PC. Ça, c'est... Bonsoir à la personne qui vient de rejoindre le canal vocal, je suppose c'est Anix Monstax. Donc tu as bien précisé que tu ne pouvais pas parler, il n'y a aucun problème, mais c'est mieux pour nous écouter en direct d'être là quand même. Sinon tu as un décalage, c'est pas cool. Le lien de la partie est dans le canal écrit Mardi Va Sound et c'est comme ça tu et vous pouvez nous rejoindre. Oula, ouh, waouh. Il se passe un truc avec ton PC. Ah ouais, là, il m'a fait ouf. Il a ouvert Netscape 4. Oh punaise, Netscape. Il a peut-être affiché la barre des tâches. Il a affiché trois icônes d'un coup. Attention. Oui. Oh non, mais le pauvre, vraiment. Il est temps que... Tu penses qu'on peut quand même en lancer une, Nostra, en attendant? Allez-y, franchement, lancez sans moi. Hein, allez. Juste, parce que là, on n'est pas rendu. Let's go. Tout le monde est prêt. Il est 22h30, hein. Là, je crois qu'il faut formater quand même. Ah, je pense, oui. Là, je crois que demain, formatage. Hein. Et c'est Monstax. Monstax. Ouais. Qui commence? Hein? Comme ça. Ah oh la vache. Maintenant. Bah, c'est facile à faire une vache. C'était hier ou avant-hier, j'ai posté une vidéo dans le canal même avec des vaches qui sautent. C'était très drôle. Allez-y, regardez. Oh, oui. C'était trop mignon. Oula. Comment j'efface moi? Discord démarre, attention. Attends quoi? Oui, non, mais t'as bien vu. T'as bien vu. Oui, il est tellement long. Attention, je vais demander de lancer une page internet en même temps. Est-ce qu'il va sur lui? Il est pas tronqué? Peut-être.
C'est censé ne pas être tronqué. Ce sont des listes trouvables sur internet. Donc, Tronqué, c'est-à-dire ? Tronqué. Oui, c'est-à-dire ? Que le mot ou l'expression soit coupé. Ah. Il est tronqué. Il manque la dernière lettre du dernier mot. Oui, ah oui, pardon, oui, c'est tronqué à la fin, tout à fait. Ok. Donc il manque une lettre. Oh, mais ce PC de l'enfer, mais qu'est-ce que... J'arrivais pas à comprendre quel était le deuxième mot. Oh putain. Alors... Il y en a un que je vais spécifiquement pas prendre, mais je vais vous dire lequel c'est. C'est cuculapraline. Ah merde. Oh putain, j'ai pas sélectionné. Si, à faire deviner, si. Si, en fait, si. Bon, alors du coup, je vais essayer de le faire deviner, mais du coup, j'ai raté. J'ai raté ce que je voulais faire. Bref. Évidemment. Non, en vrai, à faire deviner, tu fais un cucu et une praline. Et... Oui, mais oui, mais alors, comment tu dessines spécifiquement une praline ? Eh ben, tu sais, tu fais les pralines comme ça dans les brioches, la rose avec l'amande au milieu. Ce sont des dragées ? Non, c'est des pralines. Praline rose. Ouais. Ah oui, la praline. Bah, tu sais, dans les brioches à la praline, c'est rose. Mais les brioches à praline, vous videz sur la planète. Alors attention, on parle de praline, pas de praliné. Ah oui, pas de praliné, non, hein, la praline. Les pralines, c'est marron, ça a jamais été rose. Mais elles sont roses, laisse-moi tranquille. Je confirme les propos non stricts. Mais vous avez pas la même idée que moi de la brioche à la praline ? Si, si, complètement. Brioche avec des trucs roses. Hein. Ah oui, mais peut-être que chez vous, c'est... Je sais pas, c'est une praline. Non, mais de toute façon, ils sont trop au nord, t'inquiète pas. Brioche à la praline, mais c'est pas. Enfin. Mais si, les petites trucs roses dedans, c'est trop bon, même. C'est dégénéré. Mais c'est pas tranquille, j'adore en faire. Non, mais en plus, en vrai, je crois que j'en ai jamais mangé. Oh, mais t'as raté ta vie, vas-y. Donne-moi ton adresse, je t'en envoie une par la poste. Le temps qu'elle arrive. Elle sera sèche comme tout. Pas grave. Allez, je vais peut-être pouvoir vous rejoindre, hein. Attention, hein. Peut-être. Oula, c'est pas ça. Il y a même imaginez... c'est trop bon la brioche à la praline. Ah bah, mais exactement, ah bah, on est d'accord. Attention. Ah. Oh. Je suis désolé, moi j'ai pas de bonnet de lutin avec mon pyjama. Moi je dors pas en chaussons. En plus. Oula, je pars de travers là. Désolé, mais pour moi des pralines c'est ça. Oh, il va nous faire chier que c'est praline. T'es mis dans l'auberge ? Oui. Ouais. Ah vrai, non, ça, chez moi, ça, c'est les chouchous. Parce que les pralines, c'est des amandes caramélisées. Là, c'est des cahuètes caramélisées. C'est pas pareil. Hein je comprends pas. Attends, le tien est mort d'ailleurs. C'est pas mal, Jake. C'est pas mal. Arrive sur le truc et je tombe là-dessus. Qu'est-ce que c'est ? Bah, ça se voit. Mais attends, je viens d'arriver là. Ah bah oui. Quoi ? Bah, ça se voit. Il y a un tiré ou pas ? Bah si, ça se voit. Non, il n'y avait pas de tiré. Ah oui, si, bah si, là, c'est obvious. Putain, j'ai... Je me demandais dans quelle perspective je devais regarder ça, parce que j'avais l'impression que c'était un lit. C'est compliqué. La question que je me suis demandé au départ, c'est... Mais attends, mais pourquoi il dessine une agrafeuse qui explose ? Une agrafeuse. Il y a un lit en feu. Attendez, alors... Attention, ça va aller très vite. Je sens que vous allez encore pas trouver. De toute façon, chaque fois, c'est moi qui dessine. Itoman, ouais, bien sûr. Oui. C'est bon, hein. On a pensé à toi l'autre fois, Nostra, parce que sur Concept, on a fait deviner Iron Man. Il était beau, j'espère. Bah, c'est un concept, ça n'est pas dessiné. Oui, c'est vrai, remarque, je suis conne. Je suis un peu conne. Ça fait longtemps que je suis pas venue, ça y est. Je sais pas comment ça s'écrit. Moi non plus. Comme ça se prononce. Pas comme ça. Oui, déjà c'est avec un A. Un solaire. Merde, non, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, c'est pas grave. Bave ? Pourquoi ça bave ? Non, je vais pas faire là-bas, je voulais faire un thermomètre, mais je me suis perdu dans. C'est pas grave, tout va bien se passer. Après, tu peux aussi baver en ayant la varicelle. Hein. Ah, c'est après, c'est possible, tu peux. Hein. Tant que tu n'allumes pas ton thermomètre, sinon ça va partir sur autre chose. Hein.
J'avoue. J'avais même pas pensé, franchement, Jake. Oh. Oh bah. Enfin. Enfin. Mais. Tout à fait respectueux. C'est dévergondé. Oh mon dieu. Putain, c'est une sphère quasiment parfaite. Mais. Oh, la... Est-ce que tu es prof de géométrie dans la vraie vie? Est-ce que t'as un compas? Non, ça s'écrit pas comme ça. Mais je le savais en fait. Ah non, c'est juste. D'accord. C'est aussi simple que cela. Mais non, mais pourquoi vous faites des trucs spécifiques? Moi, à chaque fois, ça me perd. C'est pour le contexte. Bah oui, mais non, moi, je me perds vite. On notera qu'il a été intelligent de dessiner un ballon de basket et pas un ballon de foot avec les pentagrammes et les... Et les pentagrammes. Les pentagrammes. Bah oui. Tu connais pas les ballons de foot avec des pentagrammes? Ah, le pentagone, pardon. Pentagone, pardon. Les foot satanistes, en fait, ça... Sinon, s'ils ont pas de ballon, ils font ça avec des têtes de chèvre, c'est génial. C'est une grande frite. Rhubarbe, 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 c'est ma rhubarbe. Non, c'est pas de la rhubarbe, c'est bien. Qu'est-ce que... Tu as une option remplir, éventuellement. Oui, merci, elle est où? C'est le pot de peinture. Merci. Bon, je le vois. On va considérer que c'est vrai. Il en est là, quoi. Ah. Bah, considérer que c'est vrai. Honnêtement, bon, du coup, c'est pas planche parce que la deuxième lettre de planche, c'est pas un O. Voilà. Ah. Hein? Bah, voilà. Bah, non. Mais si, ça se voit. Hein? Mais si. Bah, ça se voit. Bah, si. Mais pas du tout. Mais si. Vraiment que je freine des cours de dessin. Toucher du. Ah, mais oui, une expression. Putain, mais je pensais plus qu'il y avait des expressions, mais je suis débile. J'étais là, mais. Il coupe pas du bois, qu'est-ce qu'il fout avec ce bois de merde? C'est quel objet? Super, c'est soit j'en ai deux qu'on a déjà fait, soit une qui est tronquée de partout avec des apostrophes en plus. Ah bah. Les apostrophes, normalement, allons je les ai enlevées. Allons en faire, prends celle qui est tronquée. Allez, c'est parti. Ça s'éteint. Ah, une voiture. D'accord, il y a plus de pas voiture. Du tout. Non, c'est des bonhommes, alors attention là. Et sept nains, sauf qu'ils sont que deux. Il y en a un qui prend une pelle. Elle, l'autre qui prend une pioche. Waouh. Les sorciers de Waverly Place, non? Hein? Égal. Merde, c'est pas ça que je vais faire. Waouh. Hop, bonsoir. Ah, bonsoir. Voilà, waouh. Attends. Je refais le truc bien, hop. Alors c'est un truc de merde, hein. Honnêtement. Ah oh bah oui, vas-y. Ah, oh là, oh je là c'est là. Mort, bon c'est pas grave. C'est pas grave. Vous aurez compris que, évidemment. Ah. Oh. Non mais j'avais soit quoi ça, soit encore touché du bois, soit notre. Excusez-moi, mais j'ai pas compris, c'est bonnet blanc et blanc. Quoi? C'est bonnet blanc et blanc bonnet, mais c'était tronqué. Ah. Pourquoi c'est moi qui ai des trucs nuls? Il y a beaucoup de mots, Jake, dans la liste que tu as trouvée? Quelques-uns. Plusieurs dizaines. Je sais pas, j'ai pas compté. Mais... J'ai vraiment pas compté. C'est un masque de théâtre. Okay. Ça rend pleurer? Pleurer. Punaise, je sais, c'est bon, je l'ai. Ah. Bah non. Tout, hein. Mais... Oh, mais arrêtez Non mais y'a pas tout là, y'a pas tout. Là j'ai pas. Ouais ok, on avait compris le concept je pense. Hein? Il y a du feu. Arrêtez de trouver moi. Ah mais plus rien. Ah y'a S. Waouh. Ah bah oui, t'en as pas qu'une seule. Non, les expressions, moi je suis vraiment nulle là, beaucoup. Je suis trop formaté à penser, genre c'est un mot. Ah, je connais, c'est le fond d'écran de Windows XP. Non, allez. Ah, bah c'est mon fond d'écran, j'ai cru. Olivier Tom. Non, ce n'est pas Olivier Tom, on ne voit pas la courbure de la Terre. Il est vrai. Sacré stade, hein, Olivier Tom, vraiment, ouais. Ah mais voir la courbure de la Terre avant de voir le but adverse, c'est quelque chose quoi. Ah,
être le Seigneur des Anneaux au début, je pensais que c'était Gandalf avec une cape. Oh non. Tout ça à cause d'une faute de frappe de ses... Deux fautes de... Ouais, d'accord. Deux fautes de... Oui, non mais... Quoi en fait, c'est... Micro, pardon. Mes yeux. Du curling sur gazon. Essaye de mettre le micro devant ta bouche. Non, mais mon micro est devant ma bouche. Mais vu qu'il est devant ma bouche, bah il est plus bas que mes yeux. Et ensuite, derrière, il y a le clavier. Du coup, je vois mon micro, mais je vois pas mon clavier. Franchement, quelle différence entre le hockey et le curling, s'il vous plaît? Ah bah le curling, c'est oui, beaucoup mieux. Y en a, oui, il y en a, je sais, je suis... Voilà. Il y en a un qui est ridicule et l'autre aussi. Et l'autre, c'est du curling. Merci, j'ai pas de respect pour le curling, merde. J'ai vu des compétitions de curling quand j'ai fait mon stage au Canada, c'est un concept. T'arrives à t'extasier sur des choses que t'en as rien à foutre. Mais est-ce que c'est pas le cas de plein de sports des États-Unis et du Canada, enfin d'Amérique du Nord globalement? Parce qu'on va pas se mentir, mais le NASCAR, c'est chiant comme la pluie. Et pareil avec le... Pareil avec le... Comment ça s'appelle bah, le curling, et pareil avec le football américain aussi. Parce qu'honnêtement, le football américain, on va pas se mentir, mais les 75% du temps passé, c'est des mecs qui discutent de stratégie sur le terrain, ils jouent pas. Oui. Et j'ai failli parler du film Camelot, je suis désolé. Voilà. Est-ce qu'on parle du baseball? J'ai jamais rien compris aux règles du baseball. Bah, en vrai, ça va. Ah, si. En effet, au collège, en vrai, j'étais pas trop mauvaise. Bon, j'ai complètement tout oublié, hein, mais je sais qu'à l'époque, j'avais compris facilement. Oula, on a le droit d'essayer ça sur Twitch. On a le droit d'essayer ça sur Twitch. On a le droit d'essayer ça sur Twitch. Hein? Oula, oula, wow. Oui, donc du coup, on repose la question, effectivement, on a le droit de dessiner ça sur Twitch? C'est compliqué, là. J'arrive pas à... Ah, d'accord. Ah, hein, les lettres qui arrivent sont pile les bonnes pour débloquer tout le monde, quoi. Oui, il faut... Oui. Un peu. Ah, si. Mais... Marchez. Mais avant qu'il y ait le dentifrice, c'était très gênant. Ah oui, c'était... Oui, c'est en effet. Bah, c'est une brosse à dents. Plutôt. Oui, bon, c'est bon, c'est bon. Moi aussi, j'ai une très grosse brosse à dents. Énorme. Every time I dream, I think. C'est le stream du DMCA. on dirait quelqu'un qui a appuyé sur le bouton pour monter les aigus d'un seul coup là. J'ai fait exprès de chanter mal, j'aurais pu chanter bien. Oui, c'est ça, oui. Bon, c'est pour que ce soit pas reconnu, tu vois. Oh putain, oh là, ouh, excusez-moi, oh là, fou. On n'arrête pas de jurer. Oh, je peux pas. Ouais, c'est chiant, on n'arrête pas de jurer. Ouais, c'est relou, bordel. Ah, ça casse les couilles. Eh, tu parles pas comme ça. Oula. Un bon levier. Ah. Oh, je suis dernière, mais qu'est-ce que c'est étonnant. Hein? Ah, je vois ce que c'est. Alors, je vois ce que c'est, mais je vois pas le mot, ce que ça peut être, en fait. Je crois que c'est ça. Qu'est-ce que... C'est une épreuve aux Jeux Olympiques. C'est lui qui est passé chez moi tantôt en fait. Alors attends, Eleanora, lancer du plongeoir. J'ai des images bizarres en tête. Attends, en fait, c'est le nouveau combo, c'est le biathlon, tu vois, tu fais du lancer de marteau sur le plongeoir et après tu sautes. Ah non, mais lancer du plongeoir, pour moi tu lances des plongeoirs. C'est ça, c'est pour recycler le matériel. Non, c'est pour les épreuves de force après. Mais j'étais à une seconde. Une seconde, c'est bien, mais pas suffisant. Je vais aller pleurer un petit peu.
on est sur du royal. Alors attention, château de Versailles, fleur de lys, on est sur un royaliste. Ça préchote quand même, hein. Il y a de la méta des lettres et tout. C'est pas mal, c'est pas mal. Attention. C'est un téléphone intelligent. Attention. Oula. Un Nokia 3310. Ça ressemble plus à un Tokiwoki. C'est vrai. Inversé. Ouais, bah, jusque-là, ça va. Hein. Un Blackberry. Oh, mon frère, il avait un... C'était wow. Ok, d'accord. Le S est en majuscule. Hein. Non. Waouh. Effectivement, ça a du sens. Je vais rage quitte cette soirée, hein, finalement. Mon Stax, tu parles au SMS, tu t'attends qu'il te réponde. Bah non, mais communiquer, on essaie de parler dans le sens de communiquer, je pense qu'il voulait dire ça en fait. Oh bah, hein, quoi, mais... sérieusement, quoi, ça se voit. Hein, après, à la décharge de Nostra, elle a moins de points parce qu'elle a commencé après nous aussi. Oui, non, elle a moins de points parce qu'à chaque fois, elle le trouve après le compteur, voilà, ou elle le trouve par pas. Par contre, il y a un problème avec tes essieux. Oui, il est vrai. Mais tu sais quoi, moi, ça m'a fait penser à mon Tazac. Voilà, je suis obligée. Il avait la cucaracha, non ? Je me suis retapé les VOD. C'est affreux, je suis addict au RPZ, je me retape tout. Mais tu sais qu'il y a d'autres points de vue que celui de Donatien de Montazac. Mais non, mais j'ai eu Donatien Montazac, j'en ai fait plein là dernièrement, mais fois. Dona ? Oh purée, le sein. C'est un bon G, c'est sûr. Attention, là on va... Ouf ! Excusez-moi de ce que je vais faire, hein. Vraiment... Trop tard. Là, vous avez compris le concept. Pourquoi les goûts sont dessinés? Et... C'est un pied ou c'est une main? Ah, le gars, il a trouvé, vraiment. Bravo, Alga. Parce que la lettre qui a été donnée est une lettre qui aide pour le mot qui fait chier. Bah en vrai, moi le mot qui me faisait chier, c'était pas celui-là. Ah bon? En fait, oui. Moi le mot qui me faisait chier, c'est pas celui-là, c'est le dessin. Aussi, oui. Casser une porte, c'est moins violent que ça. Ah, claquer. Non, mais je vous pardonne, de toute façon, je serai jamais bonne à dessiner à la souris, c'est tout. C'est une tristesse, c'est pathétique, c'en est pathétique. Non mais en vrai, avec la pratique, avec une bonne souris aussi, en vrai c'est surtout ça, c'est la qualité. Avec la pratique, Mystery. Ça fait longtemps qu'on est souscrivu. J'aurais dû m'améliorer. Ça m'est jamais arrivé. Écoute, voilà, j'ai pas réussi. Mais bon, dessiner ça sur Twitch. Oui, mais oui. Ou à Luigi. Oh là, il a pris quoi? Pour bon, une fois que je trouve un truc en premier. Hein? Vieux truc. Là, ça se voit. Parce non. Que... Bah, oh. Ah si, ça se voit. Ah bah si, photo. Hein. Ouais, en ouais. Plus, les couleurs. C'est photo en noir et blanc. Oui, maintenant oui. Effectivement. En noir et blanc. Ok, bah du coup. Bon, là, il a trop bronzé pendant l'été, mais. Non, il a trop bu de verre de. Je on sais pas quoi. Moi... Dirais-moi après 3 minutes. De la liqueur de serre. Le fameux cosplay du drapeau de la Pologne. Ouais. Ah oui. Ah encore. Waouh, c'est quoi ce mot? Ah, au secours. Jeanne, au secours. Pardon. Ah, c'est j'adore répéter les phrases de mes idoles. Dormir. Il a un grand lit quand même. Il y a les proportions sont... pas gardées. Il y a un king size XXL. Ok. Wow, c'est des oreilles, franchement, les oreilles de taré. Dans les bonnets de nuit pour le moment. C'est dans les bonnets de nuit qu'on fait les meilleures soupes, mais attends, c'est pas ça. C'est ça. Pourquoi j'ai ouvert ma gueule en fait? Pourquoi je la ferme jamais?
Ah, t'as fait une ralga là. T'as clairement fait une ralga. Eh oh. Ah si, si, quand même. Le classique de penser à voix haute et donner la réponse aux autres. Ah mais ça, mais ça, c'est ta spécialité, ralga. Je fais ça aussi tout le temps, hein. Mais voilà, c'est affreux. Moi, je dis des mots clés à chaque fois. Je peux pas la fermer deux minutes. Alors non, je ne vais pas reprendre ces bonnets blancs et bobonnets, blanc bonnet, c'est mort. Pour revenir à RPZ, du coup, j'ai regardé donc évidemment Montazac, Johnny Monet. Magnifique. Ah, quelle ligne de dégénéré. Ah, Johnny, franchement, magnifique. Cox, obligé. Et là, je suis en train de faire Miguel. Miguel, du coup. Et il faut que je fasse. Ah, les bagos. J'ai envie de faire Pichon. Ah, ouais, Miguel. Mais... Il y a une suite à Miguel. Oui, je sais. Il fait son truc sur son serveur à lui. Mais il faut déjà que je regarde où en premier. Mais je crois que toute l'année, là, je suis en fait, s'ils en font un deuxième, il va sortir avant que j'ai fini de regarder. Il n'y a pas à dire, ce chien a quand même une certaine vibe. Je trouve le... Franchement... C'est probablement le chien le moins moche que j'ai dessiné. Ouais. Et tu rajoutes une grosse touche noire et c'est en temps plan. Ah non, je pensais plus à des chiens anglais. Il a pris du bide en temps plan. Bah, en même temps, t'as vu la feignasse que c'est. Bleu. Mais ouais, du coup, l'arc Pichon, il est vachement cool. La première et journée, Pichon, il la rentre parce que du coup, il joue un petit vieux complètement paumé. Et, puis, deux jours après, ça devient le parrain de la mafia. Mais c'est ça, c'est magnifique, vraiment. Et du coup, quand j'ai suivi le truc, j'avais commencé avec l'arc Pichon parce que je suivi via Alpha. Et à partir de la moitié du RPZ, j'ai commencé à suivre l'arc d'Avamind. Mais moi, j'ai pas pu en fait regarder en direct parce que j'avais des partiels en même temps et tout. Du coup, j'ai absolument pas pu suivre. J'étais trop triste, mais du coup, je me retape tout maintenant et c'est magnifique. Et je suis très triste de pas avoir pu, regarder en direct. Ah, mais de toute manière, c'est vrai qu'il y avait des trucs qui étaient. Il y a des trucs de ouf, genre vraiment, il y a des trucs que j'ai regardé en VOD, j'ai fait putain, ça doit être génial, genre sur le chat et tout, ça doit être magnifique à ce moment-là. Et j'étais trop triste. Mais du coup, l'arc de Lucie, à peu près à partir de la moitié. Lucie, j'ai pas du tout regardé son arc. Événement traumatisant impliquant Bernard. J'ai pas du tout regardé Lucie. Ah ben, justement. Que je le fasse aussi. En gros, tu regardes l'arc des Pichons et à partir du moment où il y a l'événement avec l'événement Bernard. L'événement avec Bernard, faut regarder côté Lucie. Voilà. C'est low class. En vrai, je pense qu'il faudrait regarder aussi Lucie avant, mais c'est moins. Ouais, c'est mais. Moins. Ouais. Mais vraiment, niveau fou rire, je crois que le plus où j'ai. Enfin. Ah, j'hésite entre Johnny Monet et Montazac. Vraiment. Jean-Michel Mulambazo. Moi, je suis nul en animaux. Moi aussi. Oula. Hein ? Putain, il a pris cher ton dindon. Mais il s'est pris une voiture ? Oh, putain. Quoi ? Ça ressemble. C'est pas ces couleurs-là, je crois. Ça dépend des races. Ah, je vois lequel t'as voulu dessiner. Oui. Non. Ah, mais... Bah non. Oh, bah non. Non, je refuse. Non. C'était Zazu. Mais il est pas rouge, c'est Zazu. Zazu. Et c'est pas un perroquet. C'est pas un perroquet, Zazu. Non, je pense qu'il parlait de Diago, non? J'avais plus. Bah, j'avais commencé par du bleu. Donc c'était plus Zazu, mais ouais, c'est vrai, j'aurais pu penser à Diago, ça aurait été mieux. Tom Hanks, Molière. Pardon. Une photo. Je vous demande pardon. Une photo. Non mais franchement. Ça me rappelle les souvenirs, franchement. Merci. De rien. Je vais être dégoûté quand je vois la réponse. Ah oui. Ouais. Je suis absolument pas dégoûté.
fais un truc simple et tout, et je reprends. Bon, j'étais loin, je pense. J'avais pas vu que mon stack, il était parti à essayer tous les mots de 5 lettres qui rentraient dans le. Ouais. Oula. C'est très contemporain. C'est moderne. Tu peux dessiner moins vite, éventuellement, hein, t'as encore le temps. Wow, calm down. Qu'est-ce que quoi? Ok, c'est bon, c'est une photo. Ouais, photo. Voilà, voilà. Picture. Faut que je regarde aussi le point de vue. Mais... Je sais pas, ouais. Y en a, j'ai pas trop envie de regarder, j'ai l'impression qu'il s'est rien passé dans leur vie. Ah là là, terrible! Terrible oh là. Erreur du joueur français. Merci, Anora, pour ta faute de frappe. J'avais pas du tout reconnu un camion. Ah ouais? Moi ça m'a paru assez évident. Je trouvais que ça ressemblait plus à une benne qu'à un camion, mais bon, bah, oh il y avait une maison et ça stockait des trucs. Il y avait la porte du camion. Waouh. Pourquoi il est pas rose ou noir? Ah ah! Bah parce que c'est chocolat. Ça te dérange la couleur de peau? Parce que ouais. C'est cacaman. Chocolat. Oh non, putain. 4 ans et demi. What? Quoi? Alors, ouais. Ouais, ça va, en vrai, ça va. En oui, vrai, ça bah va. Oui. Quoi? Mais tout à fait. Partir un jour sans. Alors, Obito, c'est quoi comme mot? C'est un personnage de Naruto. Ah, d'accord. Qui a un masque en rayure. Bonjour, moi, c'est Jean-Michel Pallaref. Quoi? Michel Pallaref? Le chanteur? Non mais... Ouais. Non parce que c'est jamais la rêve quand alors, les gens ils parlent de manga. Contre, ça se transformait très rapidement en pâtisserie. Ouais. C'est bon, j'avais des mots croisés. C'est parfait, merci. J'aurais peut-être dû faire les bandelettes droites, mais bon. Waouh. Oh là. Il a... J'ai vu le même pull. Ou les mêmes muscles. Oh là, oh là, faut l'opérer du genou. Wow. Ok. Ah. Ce n'était donc pas un genou. C'était donc pas du tout un genou. Ouais. C'était un genou, un jeu, un genou, un jeu. Un genou, ouais, c'est vrai. Hein? Wow, calm down. Ah. What? Ah! Mais laissez-moi finir, merde! J'étais super bien, mon igloo! Eh ben non! Oui, bien pour, sûr. Une fois que pour une fois que t'attends pas avant de mettre le contexte. C'est fou! Ah, j'avais pas envie de dessiner des esquimaux comme ça, quoi. Il fallait dessiner des pingouins! Il fallait faire le Captain Igloo! Ah, mais... C'est mon cauchemar. J'allais mettre un nugget de poulet, mais... Avec un fil de bacon dessus. Bacon. J'aime pas le bacon. La pomme de terre. De terre. Hein? Ah, bacon et cheddar sur le nugget. Hein? Hein? Photo. Une photo. C'est mon photo. Je sais ce que c'est, une photo. Bah attends, le accent circonflexe, il laisse pas trop de doute sur la situation. Ah! Ah non, moi je suis perdu là. Mais non, il y a un E dans l'eau, c'est ça? Non, il est pas considéré comme étant. Les. C'est ah, mais c'est bon là. J'ai peur, hein. J'ai commencé à taper, je me suis dit. Mais c'est une photo, clairement. Oui, si, d'accord, maintenant, oui. C'est une photo à partir du moment où tu l'as reconnu. C'est bien, c'est tout. Comme beaucoup de choses. C'est long comme mot, ça.
C'est un gros mot. Oui. On a le droit de dessiner ça sur Twitch. Oui, t'inquiète. Non, mais putain, non, celle-là est dingue. Quel genre de Teletubbies? Alors, donc non. C'est encore pire. Ah, c'est vachement plus clair comme ça. Quoi? Ouais. Normalement, un mot. C'est pas un mot, c'est une onomatopée. Hein? Tu vas voir demain dans le journal, un homme a tapé un autre. Voilà, et donc vous devez deviner cette personne-là. Bon courage! Bravo pour la référence de Russe. Oh la vache, j'étais pas prêt. Esthéticienne. Je l'ai eu tantôt, j'ai bien fait de pas le prendre. Oh la vache. T'aurais pu au moins essayer de dessiner les poils sur la lingette. J'ai voulu essayer quand le temps était... Le monde n'était pas prêt. Je pensais que le truc bleu c'était un truc imagé, genre perdre les os et chercher le mot scientifique pour ça. Il est content. Sami ne boit pas, il est shooté à je sais pas quoi. Ah c'est juste ça, d'accord. Il manquait juste le petit point de couleur et tout le monde l'avait. On tient à noter que c'est quand même passé de avoir l'air con à avoir une idée. Ouais. Sam qui ne boit pas, ah ouais, totalement en fait de Sam. Oh non, mais encore un truc avec des mots. Bah c'est le principe du jeu hein. Mais là il y a plein de mots. Il y a aucun non. truc qui fait rentrer oh intégrale. C'est pas une intégrale. Ouais. Oula c'est un parchemin ça. C'est oyé oyé brave gens. Automaton, c'est vrai qu'au début c'est parti sur ça. C'est pas automaton. C'est automaton ouais. Mais il me semble. Oyé oyé brave gens. Oyé oyé. Hein? C'est tellement mal goulou! La petite languette? Le cachet? Le ruban? Easy peasy! Ah ah! Ah, bah de suite. Faire ça! I got it! Putain, c'est pas ça! Comment ça s'appelle? Oh ouais, punaise, j'ai pas le temps d'écrire sur pied de la lettre! Ah, c'est punaise! Mais oui. Oh là 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 là! À deux secondes près, je l'avais quoi. Pour une fois que j'ai un mot, vous avez... et ça, c'est franchement, c'est historique. J'ai presque envie de pleurer tellement c'est rare. La remontada de Nostra. Oui, enfin, remontada, je suis quatrième. Hein. Esthéticienne. Esthéticienne. Ah, a priori, non. Il est en train de cuire. Voilà, j'en fais pas plus. Waouh, tellement romantique. Hein. Bon, je voulais prendre le seul qu'on n'a pas pris. Mais il prend que les trucs, que les mots de la liste, ou il en prend aussi dans le dictionnaire classique? J'ai coché la case, donc. J'avais pas l'impression qu'on ait eu des mots normaux, entre guillemets. Non, je pense pas. Alors. Oula. C'est un bonhomme qui a des troubles musculo-squelettiques. Par ses besoins, d'accord. Oula. Merci, mon Stax. Ah. D'accord. On est passé de faire ses besoins à faire ses devoirs. C'est la même chose, non? Ça fait chier dans les deux cas.
LOL. J'ai trop hâte de dessiner. Hop, j'espère que je vais retomber sur les statisticiennes. C'est pas ça. Quel enfer. C'est noir. Hey Jack, on croit avant toi. Mais non, c'est pas... Voilà, j'ai fini. Quoi ? Quoi ? Hein ? Hein ? Mais... Le but, c'est qu'on trouve quand même, hein. Oui, oui. Bon, bah... Ah mais si, putain, on est débiles. On est débiles, mais on est des pneus. Débiles comme des pneus, vraiment. Bonjour, Michael, dans le chat. Green, ça tape ton cerveau. Ah, oh putain, mais je l'ai pas du tout interprété comme ça, c'est terrible. Ah, moi, c'est quand j'ai vu point ligne, je m'en vois. En fait. C'est terrible. C'est je suis quatrième, c'est beau. J'étais à peu près persuadé que le premier mot était point, je me suis dit, qu'est-ce qu'il essaye de dire? Et effectivement, c'était très méta de dire je sais bon, c'est tout, point barre. Sans dire point barre, évidemment. Point à la ligne. Point de suspension. 5 points de suspension. Point de frein non plus, cette voiture est vraiment amochée. Attendez, je peux pas. Quand même beaucoup de concentration. Ah ouais. Alors on a le droit de dessiner ça sur Twitch. C'est une pêche évidemment. Pêche. On a une personne de mon chat qui souhaiterait nous rejoindre. On a le droit de dessiner ça sur Twitch. Il y a une apostrophe. Attendez, je regarde pourquoi ça prend pas ça quand même. C'est de pire en pire. Voilà. Faut consulter là. Comprends pas. Mais c'est un truc. Mais. Vous allez vraiment vous sentir très con. Hein. Quoi ? À la limite. Bah, punaise. C'était ça là. Je l'avais dit. Oui, l'avais dit. Mr. Green, oui, Discord et le lien, c'est bon. D'ailleurs, j'ai envoyé le lien, donc il n'y a plus qu'à attendre qu'ils nous rejoignent sur le Discord. Bah, il y a Barack Obama. Ah non, ça c'est. C'est mon Stax. Mon Stax, pardon. Oh, on dirait ma bague. Non, purée, mais pourquoi? Mais pff, oh là là, mais vraiment. J'en ai marre. Vous savez faut quoi, arrêter. Je vais partir. Faut arrêter de dire des choses à voix haute. Mais j'en peux plus. Je crois que je vais mettre en push to talk la prochaine fois, comme ça. Ouais. Tu vois? Comme ça, c'est bon. Je le dis une fois pour moi, et si je me rends compte que c'est bon, il n'y a aucun lien avec l'autre, et ben je répète pour vous. Mmh. Oui. Pourquoi pas. Couleur, c'est machin là. D'accord. Mais pourquoi pas, hein. Mais J'oserais pas dire que c'est une photo. Merci, ça me rassure son. Ah non, mais plus tu rajoutes des trucs, plus c'est un problème. Voilà, le bouquet fan. Et je l'avais donné. D'accord. Écoute, non, mais c'est bien, il y a quand même aille... les points sur ça de là. Hein. J'ai la fin, mais le début, je l'ai pas. J'ai aucun début. Oh punaise, d'accord, je l'ai. Mais trop tard. Ah ouais. Ah purée. C'était mais... chaud. Mais c'était d'accord, chaud. C'était des simples mots, donc j'ai pris l'expression. Mm-hmm. It's really hard to find. Bon, bah, j'aurais pas de points. I wasn't ready for this. Je suis à 6ème, écoutez, bonne constance. Mais si, il y a Ralga qui avait trouvé Eliana. Ah ouais. Du coup, c'est pour ça que j'ai plein de points. Mais moi, je sais pas comment j'ai trouvé. Hein.
Ok, attends. Ah, si mon dessin était parfait. Non. Il était conçu spécialement pour que soit, seul toi puisse le trouver. Ah ouais, bah, putain, je sais pas comment je peux prendre ça. Et c'est pas très... Un Lego. Ok. Ah non, bah non. Ah, d'accord. Non, sérieux. Ah. Oh punaise. Eh ouais. Eh ouais. Moi je joue pas au Lego, je fais de l'art. Un moine. Attendez, non mais la longueur du truc encore quoi, mais... Pff. Manuel. Emmanuel Chien ? Pourquoi ? Il a pas les cheveux comme ça ? C'est pas lui qui a des sourcils énormes ? Il a un mono sourcil. Ah, c'est vrai que c'est un mono sourcil, oui, t'as raison. Ah, donc c'est la dictature du non au mono sourcil. Jean Castex. Un Castex. C'est compliqué là. T'as les expressions qui font 2 mètres de long. Non! Il y a pas d'apostrophe au début. Oh non, mais arrêtez d'enlever les apostrophes. Bah ouais, mais en fait, c'est le jeu qui est comme ça. C'est pénible. C'est... Je vais me battre. Oh là là, elle est venue de loin. De très loin. J'avais esthéticienne et je me suis dit, est-ce que je vais réussir à faire mieux que toi que là? Je pense que ça va pas être compliqué. C'est une tête qui va vite. C'est un petit poids dans un ascenseur. Ah, pas du tout. Hein ? Hein ? Oui. Ah oui, d'accord, ok. Y a pas les couleurs qu'il faut, en fait. Exactement. Tu reconnaîtrais beaucoup plus facilement s'il y avait les couleurs qu'il fallait. Bah, mais c'est ce que j'ai mis. Oui, mais non, t'as mis le vrai mot, pas le nom de la marque. Oh non. Alors, moi, je voyais des partitions et des dièses, et c'est tout. Et je me suis dit, pourquoi il y a marqué 20 BPM ? 2 heures PM. Ouais, non, mais moi, j'ai lu 20 BPM. En me disant que le B était mal dessiné. Même pareil, moi j'ai vu une partition. Ouais, du coup, Jake, c'est Mekkel qui était. Ah, c'est Mekkel ? C'était lui. Je sais pas si c'est son nom, Mekkel ou Mikael ou. Oui. Viens des Discord, et le lien il est dans le canal. Hein. Allez, viens, on est bien. On est bien. Regarde tout ce qu'on peut faire. On dirait le logo de la marque de sel, quoi. Elle est pas trop mignonne. J'avoue, elle est toute pipou. Bah, elle est pipou. Poupipou. Excuse-moi. Ouh, allez, craquage, là, ça y est. Il est 22h pile, voilà, ça y est. Ta 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 ta. C'est le début de la fin. La fin. D'ailleurs, on n'a pas eu l'expression la fin des haricots. Ou juste le début de la fin. Quelle horreur à dessiner d'ailleurs. Quelle horreur. Voilà. Voilà. Ah, ça y est, ça va sur les mixing. Ah, je reconnais, c'est la nana dans Resident Evil 8. C'est Carmen Sandiego. Mais attendez, il y a combien de... Mais elle a pas de corps, elle a que des jambes. Qu'est-ce que c'est? C'est non, c'est franchement, c'est super bien fait. Ah. Pour le coup, c'est super bien dessiné. Je sens qu'il y a quelque chose. Je sens que c'est bien, mais
Et j'arrive pas à savoir exactement ce que je dois trouver en fait. Ouais, moi non. Et pourtant. Est-ce que c'est le nom de la personne? Est-ce que. Ah ouais. D'accord. En fait, je pense que le chapeau faisait. Enfin, moi je cherchais genre Calamity Jane ou un truc comme ça. Ouais, moi aussi j'avais Calamity Jane chapeau. En fait. Ouais, ouais mais ultra choisi. Mais c'était vachement bien dessiné. Ouais. Le chapeau porte de la classe là, franchement. Bravo, bravo. Mais j'avoue que j'avais Calamity Jane en tête et ça sortait pas. En tout cas, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu quelqu'un avec des proportions humaines. Bon, c'est quand même sacrément tronqué. J'ai malheureusement. Soyons honnêtes. Wow. Les bonhommes bâtons, c'est quand même. Ça fait le café quoi. Bon, ça va être sacrément tronqué en carrément démo. Ah, descendre ouais. Une pente à ski. Le dernier mot, il n'y a que la première lettre en gros. Ah, donc il manque pas des mots, il manque un morceau d'un mot. Bah, il manque tout le dernier mot quoi. Jeter un berceau du haut de montagne. Ça, j'ai déjà fait, c'était rigolo d'ailleurs. C'est la version tibétaine du Kirassé du Potemkin. Ouais. Ok. Comment je dessine ça? Ah si, mais si. Mal. Très mal, oui. Ok. Ah. Non. Ré. Il n'y a encore pas le truc, c'est ça? Il n'y a pas l'apostrophe et il n'y a que la première lettre du dernier mot. Eh ben oui, mais j'ai mis la première lettre du dernier mot, mais... Mais t'as mis une apostrophe. Mais j'ai mis l'apostrophe, mais ça me saoule qu'il n'y ait pas d'apostrophe. Pas juste, normalement j'avais trouvé. Mais... Ah mais là du coup, il n'y avait pas l'apostrophe, mais en plus il n'y avait même pas un espace. C'est jamais ça, pareil. Ça me saoule, vas-y, j'ai envie de pleurer. J'avais pleuré dans mon coin. Je pense que durant les prochaines semaines, je et on va réfléchir à des grandes listes thématique à bien préciser à quel moment il y a des apostrophes, enfin qu'on fasse une nomenclature parce que là la nomenclatura ça va être c'est un nez Léa qui est un fire pif. Oui mais je l'ai eu au précédent en fait mais voilà on a le droit de dessiner ça sur Twitch. Oui. Mal, mais oui. Je fais qu'est-ce que je peux avec qu'est-ce que j'ai. Non, non, ce n'est pas cet orifice-là. Oh, je me sens débile à chaque mot, vraiment, c'est... Bah oui, c'était un nez, voyons. Qu'est-ce que c'était d'autre? Enfin, quand même. Il n'est vraiment pas mon ami. Oh. Messieurs, ouais, donc du coup, vraiment... Oui, il y a une dame aussi. J'existe plus. Mais si, Nostra, tu existes. Est-ce que je vais me vexer pour rien? Oui, bah oui, comme d'habitude. Pense à Iron Man. Ah, faut vraiment que je le repeigne, celui-là. À Iron tu Man. Tu n'as pas eu envie de faire du contexte. J'en ai un à repeindre, j'ai toujours pas fait, besoin. C'est 2 ans. Mais parce que c'est vraiment nécessaire de repeindre un arrosoir. Mais si, parce que je vais faire une petite tête d'âne sur le côté avec des lavandes et tout, ça va être magnifique. Tu pourras faire une photo? Oui, quand je l'aurai fait, et si c'est pas moche, pourquoi pas. Non, non, quand tu l'auras fait, pas si c'est pas moche. Ok, quand je l'aurai fait, mais alors, t'as fait déjà 2 ans que je dois le faire, est-ce que je vais le faire cette année? C'est la question. Bah, dis-toi que c'est un peu à la place de Scribblio, tu vois. Ouais, au pire. Mais mardi soir, je me dis. Allez. Allez, mardi soir, je vais peindre un arrosoir. J'espère que tu peins mieux l'arrosoir que tu dessines sur Scribblio. Mais oui, mais je vous dis, c'est les souris, moi j'arrive pas à dessiner avec ça. Mais en vrai, tu veux pas faire un Iron Man sur ton arrosoir? Non, parce que c'est pour mes parents. Qu'est-ce que je vais donner à mes parents, un arrosoir avec Iron Man dessus? Enfin, un arrosoir avec ton Iron Man. Il est assez collector, quand même. En édition limitée. Nostra, tu ne réponds pas à ce... Ah, excusez-moi, attendez. Mais non, mais j'ai pas le temps. Non, mais voilà, je jargote, je rigole, je fais n'importe quoi. C'est terrible. Non, mais j'ai encore des trucs là, que je dessine ça avec une souris, quoi. Non mais après, allô, j'avoue, quoi. Je suis plus doué en peinture qu'en dessin, j'avoue. Ça que je sais pas, être dessiné au trackpad. Non mais non, pire. Ah. Ah non. Mais comment ça s'écrit? Comme ça. Non. Je sais pas. Ok, c'est bon, j'ai réussi. Quel mot de merde. Hein? Non, là ça devient du cannabis, excusez-moi. Mais... Thank you.
D'accord, je pensais que c'était écrit avec un dé, moi. Oui, non, mais t'as moi pas noté que j'ai écrit avec un dé ouais. Que... Oui, non, mais, non, je non, me... oui, c'est... mais c'est... effectivement, Artichaut ne s'est jamais écrit avec un dé. Mais moi, ce que je pense à chaque fois, c'est... Artichaut, c'était un truc de con. Mais tu sais, les... toi qui es SP linguiste, linguistique, oui. Pourquoi c'est un T et pas un D? Alors, j'ai pas analysé. Écoute, attends, j'ai peut-être mon dico. Peut-être, déjà, parce qu'il y a probablement aucun lien avec le fait que ce soit un légume chaud. Tu sais quoi, je le note dans le coin de mon PC et après, quand on aura fini Scribio, je te réponds en off. Allez, ça marche. Parce qu'il faudrait que j'aille chercher mon bouquin où il y a tous les petits secrets dedans. Alors, je l'ai sous les yeux, l'étymologie, et ça vient de plein de langues latines, et aucune y a un T. C'est-à-dire, ça vient de artichofa, de artichoco, ou de artichoche. Ouais, mais après, ça s'explique par l'évolution linguistique pendant tout le Moyen-Âge, etc. Et ça, je l'ai dans mon bouquin qui doit être quelque part par là. Donc, je vais le chercher tout à l'heure. Du coup, je ne joue pas en attendant, vous faites plein de points et je fais rien du tout. Ah bah bravo. Ah oh, mais ça c'est... C'est bon, je suis là pour passer un bon moment, j'avoue, je ne fais pas attention. Auto Superman. Bah c'est vrai qu'il y a quelques trucs à la fin. Ah parce que c'est un panneau cédé le passage ça. C'est pas un panneau stop. Mais là on n'est pas sorti du sable. Ah, on n'est pas le cul sorti des ronces. Hein? Bah, ça se voit, c'est une photo. On va faire très simple, hein. Picture, hein. Mais ton ami Mr. Green, il ne nous a pas rejoint. Eh ben, ton viewer. Mon viewer ne nous a pas rejoint. Where's the viewer? Les truites de sauce, hein. Non, t'es comme fou. Ah, on va prendre cher, là. Viens, le viewer. Viewer. Rejoins-nous. Oui. Ah. Au revoir. Mon stack, c'est parti aussi du Discord. Oui, il vient de partir un instant. Ah, tant pis. Une déco. Et c'est so sad. Il doit avoir le même PC que moi. Attends, je sens que c'est un truc qui se dit que dans un coin de la France et du coup. Non. 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 Enfin, c'est je crois assez pas. Global, je pense. Ah, mais moi je cherchais l'objet, purée, je suis débile. Je cherchais le nom de l'objet. Alors, l'objet, effectivement, peut avoir bah, un nom spécifique. C'est le fameux Tancarville. Bah oui, c'est un Tancarville. Le Tancarville, mais non, laisse-moi. Mais du coup, j'imagine que c'est une marque Tancarville. C'est pas. C'est pas... Ça, ça va, Nostra, tu. Tu survis ? Marche, personne ne dit ça, tu m'as pris. C'est dans quel coin que ça se dit, Tancarville? Dans le nord. Dans le nord. La moitié nord-ouest de la France, je dirais. Tancarville, séchoir. Non, mais... Pourquoi appelle-t-on un séchoir Tancarville? Le Tancarville n'est pas qu'un pont ou une ville en Normandie. Attends, paramétrer les cookies, tout refuser. Hop, tac, tac, boum, boum. Alors ? Quoi le Tancarville ? Attends. Mais putain, mais qu'est-ce que c'est que ceci ? Ah ! Il y a une pub. Quelle horreur. Mais ta gueule, vas-y, nique-toi la pub. Sans doute inspiré entre l'analogie de forme entre le pont suspendu de Tancarville et le type de ses choix. Non, mais c'est Wikipédia. Mais arrête, mais. Et du coup, comme bah, Tancarville, c'est un peu plus. Nous, on n'y appelle pas un million. Alors bah, je crois pas qu'il ait l'écharpe. Non mais j'ai pas fini. Hein ? Je crois pas qu'il ait de couronne non plus. Non mais au moins ça permet de faire comprendre. Et si parce qu'il est coprince d'Andorre. Alors il peut avoir une couronne. Oui certes mais enfin, le disons que juste avec l'écharpe oui c'est plus compliqué. Alors que tu mets une couronne tu sais que c'est la personne à la tête. Alors qu'en fait, tout le monde aurait reconnu si t'avais mis qu'il était grand commandant de l'ordre de la Légion d'honneur. Where is the viewer? Oui, je connais pas toute. Oh, here the viewer. Il vient peut-être pas parce qu'il a peut-être trop vu. Parce que. C'est mon esthéticienne là. Et du coup, pour info, un Tancarville est appelé Tancarville dans la moitié nord-ouest de la France.
Ou au nord. Non, parce que oui, moitié nord-ouest, du coup, c'est plus du tout la moitié. Enfin, le quart nord-ouest. Ah oui, le nord, c'est la Belgique, c'est la moitié. Est-ouest, c'est une moitié. Le vrai nord-ouest, hein, pas le nord-ouest de Toulouse. Ouais, le nord-ouest. Je pense que si je demande un temps de Carville-la-Tour, il y a peut-être que la moitié des gens qui me comprennent. Ah, tu sais, chez mes parents, c'est pas si loin que ça, et c'est un temps Carville. Hein. Ça s'appelle que un temps Carville d'ailleurs. Un temps Carville. Non. Bah si, mais c'est comme pour les non, portes. Non, je refuse. Mais je vais faire une map personnalisée sur GeoGuessr, juste pour tu les gens. La porte. Où je vais faire un tracé, une ligne nord-sud. Selon toi. Selon moi. Tu barres la porte, non? Tu utilises la clanche pour ça. Ayons une pensée pour cette magnifique ville sur GeoGuessr que j'ai eue samedi. Ouais. Attends, c'était comment? La Ferté sur Chier. Ouais. Des Ferté sur, il y en a 1600. Et sur le truc, le challenge de Cotraf, c'est quoi? C'est crotte sur quelque chose. Crotte sur quelque chose, ouais. Mais crotte, vraiment, écrit crotte, hein. Oh la vache, mais c'est. C'est fou. Round 1! Et je suis très triste, j'ai galéré à retrouver où était Pitivier. Nostra is choosing a word. Pitivier. Nostra is drawing now. Pitivier est à côté de Tassin. Oh, c'est rigolo ça. Hein? Là, ça se voit. La petite. Elle dégouline un peu là. Vas-y, une petite glace à l'italienne là, chocolat pistache. Oh, ah non. La glace à l'italienne. Comment ça, chocolat pistache? Comment ça? Fraise vanille. Non, fraise vanille. Non, mais vous prenez fraise vanille, moi je prends chocolat pistache. Toujours si tu n'avais pas de bouffe. La vanille. Il n'y avait pas de trait comme ça, du coup, apparemment. Je suis pas très fan des goûts de fruits en glace en réalité. En vrai, la vanille c'est bien, mais c'est pas un fruit du coup. Je suis pas très fan des goûts de fruits, ouais, bah, la vanille c'est bien. Alors. Ça se voit. Bah non du coup. Ah mais sûrement mais. Alors. Bon, ça n'a aucun sens parce que c'est absolument pas comme ça que ça s'écrit. Mais... Oui, je vais essayer de faire ça comme je peux. Je vois mais en même temps je vois pas. Enfin je vois ce qu'il dessine ouais, bah, mais je comprends pas avec le mot comme et eux. Tout. Il voit mais il voit pas. Lire un livre en braille, putain, mais... Oh putain, moi, j'avais le braille, le... Ah, mais tu sais que, en fait, ce que t'as fait un œil, là, moi, je pensais que c'était un angle. Non, c'était un œil, mais j'aurais dû faire un doigt, putain. Ça a été trop dur pour moi, vraiment, là, c'était... Mais par contre... Je suis fatigué. Le fait de voir un œil qui lit du braille, en le regardant, je trouve ça exceptionnel. Y'a personne qui me l'a dit. Bah non. Oh sérieux? Non, j'ai mis une lettre de trop, je suis débile. Bon là, j'allais avoir un calendrier de 24 jours, ça allait pas le faire. Bah c'est un calendrier d'avant. Pas février, quoi. Ah c'est pas faux, pas faux. Pas faux. Le calendrier que t'as pas compris. Ou c'est avant? Non, mais c'est bon, calendrier maintenant. C'est compliqué pour moi là tout de suite, hein. C'est une énigme. Non, mais sans ça. Sauras-tu la résoudre ? Ah, mais oui. En fait, quand j'ai vu la proposition, je vais juste après le calendrier, je vais toujours redessiner le calendrier d'avant. Oh. Ouf. Ah, mais de suite! Pouce rouge, quoi, c'est fou! De suite, quoi! Cet pouce homme... rouge. Cet homme est en colère. C'est un curieux mélange de couleurs. Quoi? Mais t'es sérieux?
Et je l'ai pas vu avant. Là, c'est déjà une photo déjà. Hein? Mais arrêtez. Ah, si, 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 je vous jure. Tu n'es pas. Pas du tout une photo pour moi. Ça n'est rien une photo. Ah! Oh, oula! C'est fait exprès. Waouh, waouh, waouh. Mais arrêtez là. Quoi? Eh, je comprends pas du tout. Oh, modèle! J'avais les mêmes dos quand j'étais petit, ça fera direct dans l'enfance. Les petits dos quoi. Ouais. Et la couleur choisie pour le pot que t'as commencé en premier était pile poil la bonne. Ouais, ouais. De toute façon, on a tous eu les pots plaido jaunes à couvercle oui. vert ou bleu. J'ai jamais aimé la pâte modelée. Bah, faut pas la manger non plus, quoi. C'est vrai que c'est pas bon. Mais laissez-moi faire le dossier. J'ai même pas fait la quatrième, mais... Pour une fois, j'arrive à dessiner un truc. Oula. Non, mais j'en peux plus. Non, c'est un truc en braille encore. C'est un angle loin de l'œil. Ah, attends, on va faire ça, hop. Oui, non, c'est bon, j'ai compris. Bon, j'en suis, hein. Ah oui, donc le nez est vraiment sur le... Il a la paupière vachement montée, hein. Putain, libellule. Bon, c'est pas des... Oh, c'est bon, je l'ai réussi à le faire avant quand même. Mysterine et moi, les deux vieux rapaces derrière qui piquent tout. Et tu peux pas deviner avant si c'est des ou les. Oui. C'est plutôt bleu. Voilà, voilà. Putain, mais plus ça va, plus le logo il ressemble au vrai logo. Un jour, on va y arriver. J'ai dit de faire deviner Twitter, son concept l'autre fois. J'ai galéré. Ah oui, c'est vrai. C'était chaud. Et le nombre de fois que vous avez parlé d'oiseaux bleus, mais. Je crois que j'ai fini par le concept jouer, concept plus jamais. Ouais, non, c'était toi qui t'avais trouvé le sens. Moi j'étais traumatisé par le colonel moutarde, je veux plus concept. C'est trop resté. Ah, je sens qu'on va avoir une tête magnifique. Non. Non, en fait, non, bah oui, non. Non, il y a un problème de perspective quelque part. Non, ouais, ouais non. Non, puis non, non. Non. Bah non. Mais pas du tout. Ça très bien. Mais en fait. Pas du tout. Oh. Ah non, 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 pas encore. Ouais, et ici. Non, et c'est en plusieurs bosques aussi. C'est pas tombé amoureux, non. Tombé love d'un voyou. Oh, ça va. Regardez. Non, ok. Mais, c'est ça. C'est pas une vraie expression. Tombé dans les tomates. Mais non, mais il y avait une musique. Il y a un mec qui a fait une musique comme ça. C'était qui? C'était genre en 2010 ou un truc comme ça. Tombé love. Non, c'est un bon. Tu penses? Tombé love d'un voyou, titre de Fabali. Non, attends. Okay. Alors, t'as love d'un voyou et... Alors, t'as love d'un voyou de Fabali et t'as tombé love de Wasila. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des trucs que j'ai jamais entendu. Et t'as une meuf, alors, et je suis tombée là, c'est 2020. C'est super bien. Merci de notre niveau. Non mais la marque, non sérieux. Excuse-moi. Et alors, attends, love d'un voyou, j'efface. C'est en quelle année ça? 2016. Bon, on reconnaît plus. Pourquoi il y avait un C majuscule? Parce que c'est LA chaussette. Chaussette qui fait guider ton niveau. Je suis niveau 2, la. Et ça pourrait être pire. Imagine que l'elfe gagne un niveau. Un niveau. Quoi? Oh merde. Attends, je savais faire la voix du nain à une époque.
Maintenant, je suis plus proche de faire la voix du troll ou de l'ogre, c'est un peu triste. Ah oui, faut que je tape parce que... Oh là, wow, j'ai eu un arrêt de cerveau, quelque chose. Putain, de... Pourquoi il y a une porte sur ton bureau? C'est pour que les petits lutins, ils aillent pédaler pour l'alimentation. Ça se fait rejeter des hamsters. Ouais, bah moi, franchement, les lutins, ils font pas grand-chose, hein. J'ai la gueule montée. Ils sont fatigués, maintenant. Bah, ils sont un peu vieux. Puis je leur ai pas donné à manger, aussi. Voilà. J'ai peur d'un truc très raciste, mais... Enfin, j'imagine que c'est une yourte, mais que personne sait. Ah, tous les mots rajoutés ont une lettre majuscule, en fait, au début. Ah. Il a mangé deux temps, ça, c'est pas possible. Simplement. La drogue, ce fait. Alors... Bah non, justement, je crois que je devrais en prendre. Il manque les deux derniers mots. Ah. Et il y a une apostrophe qui est remplacée par un espace. Panique gobelin. Ça s'est deviné comment ça? Mais c'est le seul des trois qu'on n'a pas déjà fait. Ah, oh, merde. Donc il manque deux mots complets qui n'apparaissent pas du tout. Au moment où tu veux l'apostrophe. Oui, déjà on sait qu'il y a l'apostrophe qui est là. Mais... Après, faut dessiner quoi. Oula. Non, c'est bon, ça y est, je comprends pas. SolidWorks. Mort. Ah d'accord, c'était du beurre, c'était pas un lingot d'or. Ah mais comment tu dessines du beurre en plus de tout le reste? Bah tu le fais pas. Oui. Ouais, mais c'était le seul qu'on n'avait pas fait. C'est une photo. Encore. Pourquoi il y a une agrafeuse? Vraiment à chaque fois quand je... Ah oui. La façade me tue à chaque fois. Cette fois elle était entière. On dirait un lapin cyclope. C'est un lapin crétin. Un lapin cyclope. Oh la vache. C'est un mongus. C'est une créature terrible. Alors un lapin cyclope, mais la croix elle est plantée où du coup? Eh ben... Non mais moi je parlais juste pour la façade, après le reste... Je pense qu'on a fait. Il y en a énormément qu'on n'a pas fait. Avec des ailes et une ouais, croix. Ouais, mais il y en a énormément qu'on a... qui reviennent. Qui reviennent là. Ah, mais non, mais t'as coché Use Custom Worlds, Custom Worlds exclusively. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai coché. Ah, mais c'est pour ça qu'on n'a pas des mots normaux. Il y a un maximum de 30 lettres par mois. Hein. 30 lettres, on les a pas atteints. S'il y a des mots qu'on les atteint. Qu'est-ce qui fait que ça coupe en fait? Bah 30 lettres. 30 lettres et il tronque au-delà de 30 lettres. Au-delà de 30 lettres, il tronque. Et au-delà de 4 mots aussi. D'accord. Ah. Non. Ah non, minimum of 4 mots, pardon. C'est le minimum à partir de 4 uniquement. Pardon, autant pour moi. Mais ouais. Il est super joli. J'enlève ce qui est, à mon sens, dépasse. Voilà, j'ai décoché la case. Ah oui, donc maintenant on aura de tout. Ah mais c'est déjà moi. On a donc le retour du maître kebabiste. Il y a des chances. Et allez.
Pardon. C'est pourtant clair. Et oui, c'est plutôt très clair. Mais c'est pas comme ça qu'on joue au taker. Bah si, du coup c'est ça hein. Je n'avais pas la perspective. Ouais. Je comprends, elle est pas où. Je voyais pas de démarche. Moi, bon. je voyais un truc empilé sur un truc rouge. Waouh, waouh, waouh. M'excuserais. Non, mais t'excuses, hein, c'est pas pour. Vu le niveau. Hop. On ne sait. Déjà ? Bah oui. Sérieusement ? Bah oui. Bah oui. Ah bon, bah, d'accord. Ah alors. Oui, mais si. C'est juste que je mets 4 ans à taper. Je suis très déçu que tu me ce soit pas ça. Oh, j'ai eu un droit à un mot, je sais même pas ce que c'est. Ah. C'est lequel? C'était Ara, Aira. C'est un perroquet. C'est un piaf. D'accord. C'est les perroquets rouges, c'est des Ara. Esthéticienne. Enfin, pas que les rouges d'ailleurs, mais... Voilà, j'en fais pas plus. Mais pourquoi ? On va dire que c'est une photo. Putain, si tu dois faire analyser le crime à partir de cette photo, t'es bien dans la merde. Hein. Bah, il est peut-être mort de vieillesse, hein. Ce serait beau le légiste qui reçoit ça des enquêteurs. Tenez, analysez ça. On a reçu un portrait. Voici un portrait robot. J'ai passé un portrait robot, il est sur ma table d'opération là-bas. Sur la table d'opération, c'est ça, justement. Non, tu sais, genre, tu trouves un corps et t'essaies de trouver des gens qui connaissent la victime et genre, tu montres ça comme portrait. Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu connaissais cet homme ? Il est où ? Alors, j'ai c'est une question. Il est où le cucu ? Elle est où la tête ? Ah, ok. Ah non. C'est pas comme ça ? Ah. Ah oui, d'accord. J'ai oublié à quoi ça ressemblait. Non, je me dis, je me rappelle de la langue et je me rappelle de ce que ça bouge. Non mais ça s'écrit comment tout... Je note que tout le monde fait la même erreur que moi. Hein. Mais j'ai cru que c'était une de ces bébêtes microscopiques. Oh non, avec un seul aile. It's Pikachu, dit-on dans le chat. Salut Xeno. Re-Xeno. It's their fairy. No. Who's that? J'ai une grande question, comment on dit fourmilière en anglais? Fourmilière. Tiens, ça s'écrit comme ça. Ah d'accord, c'est littéral. Oui, c'est littéral. Mangeur de fourmis, quoi. Mais tout à fait. Mais non, comme si je connaissais ces trucs-là, moi. Ah, bah, c'est facile. Oui, j'y suis allé. C'est celui-là ? Ah oui, c'est celui-là. Il y en a pas beaucoup en 5 lettres. Ouais, mais tu sais, moi, je vous il est un... Enfin, je veux dire, il est un poil trop énorme, mais en fait, long. Vu la tronche de l'Amérique du Sud, c'est difficile à dire. Déjà, reconnaître que c'est l'Amérique du Sud, je trouve que c'est un peu un exploit. J'avoue que c'est quand même un œsophage avec un estomac, mais... Oui, mais non. Clairement. Mais possible, sache. Le Pérou. Le Péruve. Le Pélou. Le Pélou. Le Péru. Who's that Pokémon? It's Clefairy! No! Je m'en souviens, me tue. J'avoue, entre ça et Montazac. Ah, écoutez, capitaine, je vous applaudis tous les soirs à 20h. Vous savez, tous les jours quand je vais bosser, j'ai envie d'aller bosser en sous-effectif. Pourquoi j'ai fait cette couleur-là? Bon, c'est pas grave. Mais en gros, voilà, c'est. Who's that Pokémon? It's Pikachu! Hein? It's Clefairy! C'est le premier mot me dérange. Les trois. Les trois me dérangent en fait. Franchement, il est pas là. Et Léonora, c'était proche, hein.
poursuis tes efforts. Non, mais la couleur, j'ai fait de la daube. Oui, mais ça rentre. Excusez-moi. Mais personne dit ça. Ah bah, oui. si, tu parles, pas le choix. Tu parles d'ongle de doigt. Enfin, ongle de main, peut-être plutôt, effectivement. Oui, de main plutôt. Ou ongle de doigt, éventuellement. Ongle de doigt. Enfin, pas trop changer en deux jours. C'est compliqué, hein, c'est compliqué. On a le droit de dessiner ça sur. Ah, est-ce que vous croyez. Mais il insiste en plus. Mais c'est fini. Ah oui, donc vraiment, il n'y a plus aucun respect, quoi. Punaise. Ok, donc c'est clairement pas ça. C'est pas ça, il faut qu'on arrête. Faut que j'aille plus vite pour dessiner, Il y a beaucoup de choses à faire. Le temps, la clepsydre. Oh non. Oh merde. Ah oui, effectivement, ça c'est triste. Eh oui, bah oui. Alors le truc, c'est qu'il aurait pu faire les tailles. Oui. Mais non. Si j'en ai fait un plus grand. J'en ai fait un plus grand. On fout, tout le monde a trouvé, c'est l'important. Bah heureusement que les lettres pour aider, c'était les bonnes, quoi. Oui, c'est vrai. C'est les lettres qui m'ont aidé. Les deux lettres qui nous ont été données, c'était deux lettres du mot Dalton. Donc tout de suite, c'est plus simple. Je t'ai pas dessiné encore moi la souris. Excuse-moi, j'en ai fait un plus grand. Vraiment, tu sais. Et pourquoi tu dessines Jack? J'en étais sûr. Oh, c'était facile. L'âge, oh non. Sachant que je suis plus vieux que toi, donc de toute façon. C'est pas gentil. Oui, tu seras toujours plus vieux que moi, c'est le vieux. Ouais, mais plus vieux que Jack aussi. De toute façon, non, mais j'ai envie de dire, vous êtes tous des vieux, évidemment. Madame vient d'avoir son brevet des collèges et son pupitre. J'avoue, j'ai eu mention très bien. Waouh. Mention très bien de maintenant ou d'à l'époque? Oh non, c'est de l'époque. Je sais même pas quelle mention. Je sais que j'ai eu une mention à mon brevet, je m'en rappelle plus. Est-ce que ça m'a servi pour la suite de mes études? Absolument pas. Oh, j'ai Est-ce eu... que le brevet sert à quelque chose? Je sais plus. Waouh. C'est chelou, là. Alors, En plus, j'étais incapable de l'écrire correctement. Ben, ça s'écrit comme ça. Oui, mais ce n'est pas un sèche-cheveux. C'est pas un sèche-cheveux. Malgré toute ressemblance avec un sèche-cheveux, ce n'est pas un sèche-cheveux. Punaise. J'arrive pas à l'écrire, quoi. J'arrive pas à l'écrire. Aïe, ah, c'est honteux. Mais j'avoue, la fixation sur sèche-cheveux. J'ai eu un sèche-cheveux comme ça qui crachait des flammes. Hein. Bah ça fait peur, hein, mais... Waouh. Compliqué. La vie, tout ça, c'est... Bah oui, Izzy... Putain, le Z en plus, quoi. Rizzy, même. Rizzy, LOL. J'adore l'humour. Est-ce que tu peux mettre tes réenregistrés sur le Discord, s'il te plaît? Excusez-moi, mais là... Faudrait que je configure le truc. Attends, je vais essayer. Là, on part sur un truc. Vous êtes pas prêts. Attends, je vais essayer quelque chose. Ça a changé Twitter. C'est le Twitter... Voilà, c'est bon. Hop. C'est une photo. Hein. C'est un oiseau qui prend feu? Oui. Alors, oui, du coup. D'accord, ok. Non, c'est pas poussif. Ça me fait très bizarre de le voir écrit en français, c'est bizarre. Ouais, j'avoue. Mais même en français, je l'écris OE, moi. Mais moi aussi, je peux pas l'écrire autrement que OE, genre à chaque fois c'est. Comment je suis censé pouvoir deviner ça, moi. Et non, mais la vraie orthographe, normalement c'est sans E. Sans E, c'est phonix ? Non, sans O, pardon. Ah. Ouais, bah oui, mais. Compliqué mais pour moi. Phoenix, c'est l'orthographe anglaise de tenir avec un O. Oui.
Bah, ça vient de l'écriture grecque, hein, tout simplement. T'as un PH machin truc, évidemment que c'est un du grec et qu'il y a un O dedans, quoi. Mais normalement, le O a sauté. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Mais tout à fait. Oui, c'est clair. Oui, c'est clair. J'ai pas mis de mais oui, c'est clair. Il y a partout, j'ai mis. Ah, c'est horrible. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, putain. Ah, la vache. Perdant. J'aurais peut-être dû mettre juste les couleurs sur la boîte. Perdant. Peut-être, oui. Mais juste une tête et un logo avec un mec avec des grosses moustaches. C'est pas faux. J'ai oublié ce logo-là. Oh, la vache. Et oui, c'est là. Ah, on peut pas en mettre plusieurs, les pouces rouges, c'est nul. Non. Bah non. Monster Munch? Non mais c'est qu'est-ce que c'est, mais non... Florizard. Attends, le pire c'est que ça va être ça. Ah non, j'ai fait une faute. Et genre... Ouais, bah oui, forcément. Jake, t'en as fait une. Ah, t'as fait une ralga, mais de ouf. Hein. Mais arrêtez. Il est à Nora. Si il y a, c'est bien ça, mais il y a deux R. Ouais, non, mais c'est bon, je l'ai vu. Who's that Pokémon? It's Clefairy. Non. Il m'a tué ce mec, vraiment, je pourrais le regarder 500 points de suite. 500 fois, j'ai clip de rire. J'ai dans le cœur un grand ami secret, toutou, un grand c'est mon petit bonheur. Ah, mais c'est obligé. Hein. Mais c'est imaginez les gens qui vivent avec moi, mes parents, mais c'est insupportable. Ouais. Tous les jours, ah, c'est mais ça. Mais je pense au que le taux de suicide à proximité de toi, mais... Hein. Non, mais nous, on est. Enfin, c'est une fois par semaine avec toi, c'est déjà bien suffisant. Hein. Mais je comprends, mais je vous donc, mais... direct, c'est même je une fois par mois, c'est bien suffisant. Oh non, une fois par mois, Nostra commence à me manquer quand même. Parle pour toi. Ok, Nostarim, ça dégage. Ah, ok. Oh, j'ai envie de me remater la vidéo du mec là qui joue du saxophone. Ah, bah, c'est... Ah, pilotage. Je sais pas si j'ai plus ce Careless Whisper qui pop quand je vois un saxophone, mais... We don't give a fuck. C'est un caca. C'est imparfait. Mais oui, évidemment. Les fumées là, sont parfaites. Une petite fricadelle là. J'ai jamais mangé de fricadelle de ma vie. Moi non plus. Ah oui, donc le mec est en mode. De voir comment ça goûte. Mais c'est clairement pas vendeur en fait. Fricadelle, c'est ça, très parce bon. Que tu sais que c'est toute la dope qui est dedans en fait. Mais oui, c'est voilà, voilà. Fricadelle, ils te disent explicitement ce snack traditionnel, aujourd'hui fabriqué industriellement, est composé dedans, de viande séparée mécaniquement de poulet, de restes de viande de porc et de cheval, voilà. De liant, d'épices, de chapelure, pour la pâte, d'exhausteurs de goût et d'autres additifs. Je suis pas fils de pisse, mais. Oh, pas sûr. Je suis sûr qu'il y en a plein. Tellement il y a de tout. C'est très bon les fricadelles. Bon, un jour on vient chez toi, on mange et puis on se ramène. Oh là, oh là, j'ai... Franchement, j'ai choisi exprès un truc que je sais que je vais mal dessiner, vous voyez. Juste pour vous faire plaisir, vous foutez vous. Vous foutez de ma gueule on quelque chose de concret. On va potentiellement avoir un joueur supplémentaire. Ah! C'est le même que tout à l'heure ou pas? Non, c'est une autre personne. Pourquoi il a deux tubs qui pendent? Non mais. Mais non mais si vous voulez faire les pattes
Mais... c'est nul. J'arrive pas à voir ce que c'est, mais... Ah bah voilà, Amine le pro qui est donc... Ok. Je suppose le même Amine que sur le chat. Ah. Je pensais que c'était une souris ou un teddy bear, en fait. Bah, quand même. Ouais, non. Pourquoi il a une écharpe qui sourit? Attends, Iron Woman, quoi? C'est juste parce que c'était nul. Arrêtez, calmez-vous. Chrysostite Calis. C'est pas du vin. Oh, Baudel. Oh non. Ah si. Oh non. Ah si. D'accord. Qui est obligé d'aller chercher le caractère mais sur internet. Mais comme d'hab, c'est scandaleux. Est-ce que ça t'étonne? Hop. Voilà. Profitez. C'est cadeau. Mais sauf qu'il y a que ceux qui ont trouvé qui voient ton message. Ah merde. Désolé Amine, hein, vraiment, c'est l'horreur ce truc. Les E dans l'eau, plus jamais. Mais oui, plus, mais. Moi j'y ai pensé après avoir choisi le mot. Mais ouais, tu peux pas... Moi pareil, parce qu'à chaque fois on se dit, ah ce mot il est simple à dessiner, du coup on le prend et puis après on se dit, mince, il y a ce ouais. Faites un copier-coller prêt, je l'ai mis dans le chat. Alors attends, là, c'est bon, je l'ai fait là, le copier-coller, maintenant c'est bon. Oui, c'est impossible, c'est l'horreur. Ce caractère ne devrait pas exister. Ne devrait plus exister. Non mais ouais. Juste dans ce jeu là, tu vois. Après aussi les legit hein, françaises, je pourrais cracher dessus. Mais de alors, la géographie. J'espère que c'est pas la géographie parce que... Oh non les gars, non mais vous savez la géographie c'est vraiment pas c'est la géographie. Oh non. Mais c'est quoi ça? Mais je cherche pas, à savoir c'est quoi, où est la terre, où est la... pas la terre. Non mais c'est bon, c'est pour le coup très bien dessiné. En haut c'est la terre, en bas c'est la mer. Okay. C'est très bien dessiné, oui. You wanna be my lover. Ah mais oui. Le tourisme là-bas, il paraît que c'est génial. Mais non, mais c'est pas vrai. Putain, tu connais le drapeau de tête. J'ai inversé les couleurs en fait. Non, j'ai regardé. Bravo, oh, bravo. Alors ça, bravo. Hein. Mais j'ai inversé les couleurs que ma tête. Car je suis un idiot. Oui. Ça, je confirme. Oui, et c'est bien vrai. Je suis ça, c'est un long de tous les idiots de tous les idiots du monde. Mais non, j'avais un Google Map à côté, hein. On va pas se mentir, je connais pas la géographie de la Corée du Nord comme ça. Est-ce que c'est encore ta... Oh non, si c'est... Très haut de table. Je suis sûr que j'ai oublié de mettre quelque part. Non, c'est... Panneau publicitaire. J'en ai marre. Qu'est-ce que c'est que ça? Coffre-fort. Non, mais c'est les machins là, mais que ce. Il y a un nom spécifique pour vous? Oui. Ça annonce ce que ça fait en fait. C'est un truc où il y a plein de E dedans. C'est une machine E. Des fois, les E ils tombent pas. Ah merde! Ah, mais oui, distributeur. Une demi-seconde! T'aurais mis un distributeur de billets, j'aurais trouvé. Bah ouais, mais c'était plus marrant à dessiner ça. Parce que moi j'adore la thune. Ah, au revoir Amine. Oh, on a perdu ton viewer. Ah, il est revenu. Amine le pro, hein, vous noterez. Personne. La condescendance. Une personne t'a kick, je sais même pas. On peut kick les gens? Non, on peut pas. Oui, parce qu'on a gauche, on a votre kick. Attends, on peut kick. Il y a le vote kick qui existe, mais je crois pas qu'on puisse kicker tel quel quelqu'un en fait. Il est où? Il est où le vote kick? Parce que... Moi je trouve que Mr. Green n'a rien à faire là. En fait, le vote kick, faut que la totalité des gens, sauf la personne concernée, vote négatif à la personne. Je crois. Mm-hmm. Plus ça va, plus ma géographie ne veut plus rien dire. Ah, parce qu'elle voulait dire quelque chose avant ? C'est très bien. Ouais, t'as trouvé. Hein. Waouh. Wow. Si c'est encore de la géographie, je vous jure, je me tire une balle. On dirait que c'est un animal. Ah. Ah mais faut lui tirer une balle. Faut lui tirer une balle. C'est un animal.
C'est de l'animal, oui. Chaud. La question, non, c'est quoi? Pourquoi il a un chapeau de Spirou ou des dreadlocks? Excusez-moi, mais... Ah non, c'est pas ça. Non, c'est ça. Mais pourquoi? Pourquoi tant de haine? Bah si, obvious, quand même. Ah, ça se voit, là, quand même. Ouais. C'est un zibre. La forme, attends, ça a déstabilisé. Je crois que j'ai voulu écrire la lettre E, mais du côté de la main droite, donc j'ai donné à peu près le même écart. C'était absolument pas le même endroit, évidemment. Vu la forme de la bête, j'ai failli marquer Edouard. Pourquoi Edouard? Ah, c'était pas dans le film, si. Peppa Pig. Enlève la caps lock, hein, c'est... Détente. Tout simplement. Ben oui. D'accord. Vous avez vu, j'ai réussi un dessin pour une fois. Il était dur. Il était trop compliqué. Oh non, mais je vais en tête l'esthéticienne. Tu m'as appris. C'est un animal. Non. Ah si. Non. Bah non. Enfin bah, oui, si. Mais non. Oui, non. Oui et non. Non. Pas du tout. Ah, vous avez jamais vu un cerf qui vole? Si, c'est d'ailleurs le blason du Bourbonnais. Très belle province. Du Bourbonnais. Parce que je suis vachement fière, oui, un petit peu. C'est le cerf volant, et oui, et il est magnifique. Vraiment, il est trop. Oh, les pieds, ils sont cheap. Il y a à peu près tout qui est cheap hein, sur ce truc. Ouais, c'est vrai. Bah, mais c'est quand même autre chose. C'est le plus important. Sinon, faut que les pieds soient en or, enfin. En diamant. Non, en or. Parce que le diamant, tu sais, tu coupes les pieds dessus. Non. L'or, c'est de la merde. C'est un métal qui sert à... De la merde en bas. Bah, à faire mes bagues. Oui, mais tu fais pas des supports pour un truc lourd avec de l'or. Non, mais je sais, parce que l'or, ça plie, c'est de la daube. Voilà, c'est comme du plomb, mais pour les riches. C'était d'hiver ? Il manque le... Ah non. Il s'est fait manger les bras. Pourquoi ces couleurs ? Il aura pas droit à du chocolat. Ça, c'est vraiment très drôle, hein ? Non, mais qu'est-ce que tu... Oh merde. Quoi ? C'est scandaleux. Mais qu'est-ce que c'est ? Vraiment, je suis perdue là. Mais vous faites quoi ? Je sens que je vais éclater. Oh là là. Oh bah non. En fait, j'y ai pensé en le dessinant en me disant « Mais non, mais je suis trop con, je dois mettre les bras en arrière !» Mais oui ! C'est le fameux Naruto Run. Okay. Déjà que j'ai aucune ref d'animé, si... enfin, de manga et tout. Si en plus le peu de trucs que je connais, vous faites ça, moi je démissionne. Putain, le logo il est quand même. C'est pour être sûr de le voir de loin. Voilà. Du coup, désolé Amine, effectivement tu étais le plus rapide, enfin le deuxième plus rapide, mais t'as mis un M en trop. Toujours bien faire gaffe à ce qu'on écrit. Elle est Amine, ça en vocal. Plus il y a de trucs, moins je comprends. Ah mais ça c'est fou là. Un truc de cuisine. Oh non, ah non, alors non, Amine, qu'est-ce que t'as fait? Mais les massacres. Okay. C'est pas un truc de cuisine? C'est quoi, c'est la tête d'un animal? Ok, je viens de capter, oh putain. Alors, il y a une sortie au zoo qui va devenir nécessaire. On va tous aller au zoo et vous montrer quoi ça ressemble vraiment parce que... Oh la vache! Ah, il. Ah oui! Ah oui!
Attendez, je vais prendre un logo qui est juste là, comme ça, je suis sûre que ça va pas être moche. Oh si, ça va être moche, je vais jamais réussir à faire ce logo. Écoute, tant que c'est pas Iron Man, c'est bon. Hein. Ah oui, mais là ça peut être pire. The Witcher. Oui, exactement ça. Ouais. Bah oui, bah ça se voit. Alors par contre, je sais pas si c'est ta souris qui tremble ou quoi, mais y a aucun trait qui est droit en fait. Non mais c'est parce qu'en fait j'ai réduit mon truc au max. Réduit ton truc au max. Ah, non mais c'est parce que j'avais voilà ma fenêtre au max et du coup genre. C'est vrai que l'avantage d'avoir deux écrans, c'est que je peux foutre le logo la carte de la Corée du Nord d'un côté. Le mec. Le mec qui a la carte de la Corée du Nord sur son... Prends pas les couleurs, bon ça... Ah voilà. Ah c'est vrai que c'est vachement mieux que la couleur. En fait, c'est vraiment le cas, ouais, mais c'est sur mon troisième écran. Excusez-moi. Punaise, c'est pas comme ça, ça s'écrit. D'ailleurs, j'ai un très beau vernis bleu satiné, là. Il est magnifique. Ok, super. Mais non, mais à ombre, mais non, il faut déjà prendre le joint de mort. Vergenis. Écoute, C'est version flamande. Non, mais non, pour une fois, je dessine bien, vous avez quand même réussi à deviner. C'est le vernis. Attends. Bien dessiné. Compte les lettres, Amine, compte les lettres. Faut pas faire un truc qui se reconnaît facilement. Il a mangé le respect, le castor, dit-on. Oui. Il était magistral. Je veux plus jamais qu'on se foute de la gueule de mon Iron Man, ok. Mais il était parfait, ton Iron Man. Il y a des gens qui l'ont trouvé, le Iron Man. Le castor aussi, d'ailleurs. Mais vous voyez, ça se dessine tellement mal que quand quelqu'un dessine mal, bah, je comprends tout de suite. Par contre, je sais pas comment tu l'as trouvé aussi vite, le castor. Mais si, parce que en fait, il est dedans, ça m'a... Les deux dents et la couleur marron, ça m'a... Par contre, je comprends pas pourquoi vous êtes parti sur un mixeur, okay, tu vois, par exemple. Ah si, moi le mixeur, je le voyais très bien. Ah ouais ? Ah non, j'aurais pu... Ah, on appelle ça du ruban collant en Belgique ? Non, on appelle ça l'autocollant ou du scotch, mais on appelle ça un rouleau de scotch. Scotch, c'est une marque à la base. Il y a Rodrigo qui a unlock une joke de papa sur mon stream, du coup j'ai raconté une joke de papa. Voilà, ah, allez-y, d'accord. Une baguette entre une mouche et un escargot ? Une bagarre entre une mouche et un escargot. Je sais pas. Une escarmouche. Oh. Voilà. Si vous voulez des blagues nulles, c'est 1000 points de chaîne chez moi, voilà. C'est le gars qui dessine, on va avoir le contexte dans 4 ans. Pourquoi le mot il est pas parti ? Ah d'accord, petit lag. La tarte aux myrtilles. Il y a plus de myrtilles que de tartes à ce niveau-là, non ? Ouais, mais j'avais la flemme de dessiner les myrtilles. Oula, j'AFK 15 secondes, il y a le chat qui vient de larguer une bombe atomique dans la pièce. C'est donc un FKK. Ce rire nostra. Je ne cautionne pas. Mais... J'essaye de parler, mais c'est pas ici. J'en ai marre. Mais puis. Ah, fou, c'est pénible. Je commence à avoir des larmes. Mais c'est pas grave, si c'est drôle, c'est bien. C'est la pub pour l'oscillococcinum. Putain, il a pris cher le petit prince. Frisk ! Quoi ? What ? Et les mardis soirs, c'est compliqué pour moi à chaque fois.
Oh, je suis pas dernière. Frisk, attends, Frisk, que je connais pas, c'est quoi? Des bonbons à la menthe. De nom, mais Des bonbons à la menthe, enfin des trucs. Alors déjà, je tombe sur le personnage principal de Undertale. Qu'est-ce que c'est? Undertale. Donc, j'imagine en fait que c'était ça. Mais je suis pas sûr. La team des pandas. Est-ce que non, c'est une petite dernière? Allez, une petite der. C'était autorisé. Attends, est-ce que Drigo veut nous rejoindre? Voilà. Ça risque d'être encore drôle. Il y a la team des pandas qui attend d'être longtemps notre. Voilà. Voilà. J'arrive pas à finir mes phrases. C'est la dernière. Ou l'avant-dernière à la limite. Come on. Drigo, bonjour, bonsoir, tu as le lien dans le canal Mardi Vassam. Hello. Salut Drigo. Ouh. Comment il va, Drigo? Bonsoir, bonjour, j'ai le lien dans le canal Mardi Vassam, voilà. Ouais. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. On vient à peine de commencer. Oui, tout à fait. On vient à peine de commencer. On vient à peine de commencer la session actuelle. C'est diagonal. Alors non, Ralga. Qu'est-ce que c'est? Dacha, non. Ah non, c'est pas ce que je pense. Mais pardon, il y a de la pub. Ils ont pas écrit, il y a pas le droit de mettre des mots, Amine. Je me suis fait fâcher, moi, pour ça. Hein? Quoi? Mais si, mais les gars, mais vous faites exprès? Non. Mais c'est quand même évident. Non. Bah si. Oui, non, mais d'ailleurs, non, oui, effectivement, y a pas le droit de faire des mots. Ah, okay. Moi, d'habitude, je me fais engueuler à chaque fois. Oui, effectivement, y a pas le droit de. On met pas mais de. À chaque fois, j'en mets quand même, des fois. Oui, et c'est pas bien. Quand ouais. Je vois l'image, je pensais pas. Ah, si, du coup, j'ai faim maintenant, j'ai envie d'un couscous. À 23h. Bon, y a pas d'heure pour le couscous. Non, moi, j'ai pas faim du tout. Mais... Je vais vous dessiner les miens, parce que je les trouve trop beaux. Non, sérieusement? À côté de chez mes parents, on a un petit. Justement, on a c'est qui, Thor? Couscous qui est vachement bon. Du coup, exceptionnel. Là, ça doit être la team des pandas, du coup, Thor. Je pense que Amine n'est pas sur Discord. Non, non, Amine confirme chez moi que c'est lui, Panda. Donc, non. Amine qui est coincé en caps lock. Non, c'est pas grave ça. Thor qui dit qu'il a un couscous. Moi, j'ai l'impression qu'on m'agresse quand on me fait ça, je sais pas pourquoi. Ah, parce que c'est associé au fait de crier. C'est vrai, c'est vrai. Crier sur internet, t'écris en caps lock. Ah, bah, ça me fait peur, je sais pas. Et j'ai crié. J'avais trop de peine. Non, mais c'est sûr, Thor, c'est bon. J'aime beaucoup comment ça essaye de faire des. Qu'est-ce que c'est? Des détails, mais. Mais pas les bons. Hein? Mais si, mais ok, on voit ce que c'est, d'accord, mais. Bah, mets-le, parce que c'est alors. Non, non, c'est ce moment si, fait couper. Bah, moi, là. C'est le deuxième mot qui me. Ah oui. Hein? Non, mais si, c'est... il a fait une contexte, ensuite, c'est une photo. Tout est question de contexte. Ah, mais pour le coup, ouais, c'est trouvable, hein. Alors pourquoi il y a un V gigantesque qui vient éclater la colonne vertébrale? Ça s'appelle une hernie discale. C'est une excellente question et je te remercie de l'avoir posée. Ceci dit, je n'y répondrai pas. Non, on arrête avec la bande. C'est fini maintenant. Hein. Non, bah non, justement. Il faut pré-shot. Non, mais encore. Non, 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 non. Quoi? Encore et touchant. Mais si c'est pas ça, c'est quoi? J'étais en train de taper Notre-Dame. Mais qu'est-ce que c'est Notre-Dame? Enfin, pas exactement, mais... Une cathédrale. Une cathédrale, c'est pas une église. Mais oui. Ça n'a rien à voir. Je pouvais pas prendre église et ne pas faire Notre-Dame comme une agrafeuse. Mais il est relou. Amine le pro, je crois que tu pètes les plombs, tu feras gaffe. Ouais, il essaye de communiquer, je pense. Il est en train de nous donner toutes les décimales de pi, là, donc... Il y a beaucoup de 8, de 7 et de 9, quand même.
Oh non, ça, quand la géographie, ça. Oh, ça, ça sent. Ouais. Ah non, c'est bon, c'est pas la Bretagne. Oh. Ouf. Oh là là, oh là 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 là. C'est un dinosaure qui mange une feuille. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que c'était ? Un drapeau. C'était. C'est la chimie. Ah non. Je vais essayer de confirmer le drapeau avant de faire de la merde. C'est bon, c'est bon. Ouais, ouais. Hein, tu pouvais confirmer avant la fin du timer ? Si, si, quand même. Mais si, moi, si, je suis nul. Ah, mais ah. Oui. Mais non, mais j'ai pas le temps de taper. Ah, merde. Oh, mais quel scandale. Mais oui, mais évidemment, mais oui, en plus, mais oui, c'est... en fait, oui, c'était reconnaissable. En plus, j'ai dit Gibraltar. Oui, oui. Gibraltar. Non. Non, mais moi, t'aurais fait le siège de Constantinople, oui, ok. Je pense que c'est long à dessiner le siège de Constantinople. Non, c'est facile. Non, mais tu m'aurais fait un Mehmet 2, voilà, moi j'aurais compris tout de suite. Allez, démerde. Tac, voilà. Wow, 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 wow. Calm down. C'est Picasso. Mais si, mais c'est quand même. Oui, il faut chercher un truc simple. Un truc très très simple. C'est déstructuré. Comme mon esprit. Oh oui. Waouh. C'est vraiment poétique et profond, quoi. Waouh, quoi. Un robinet ? Ah. Ah non. Je... Quoi ? Ah. Hein ? Mais non, purée, je suis débile. Faut compter les lettres, en fait. Je n'en mettrai pas plus. Non, mais ce n'est pas nécessaire, je pense. Non, non, non. Il était pas loin. C'est l'autre, c'est pas Windows, c'est l'autre. Il va écrire c'est au-dessus. C'est au-dessus. De... Non, mais c'est au-dessus, oui, c'est de Windows. Amine, il en peut plus. Le ça va aller, tout va bien se passer, d'accord. C'est très facile de retranscrire l'énervement à l'écrit. Oui. Roule ta tête sur le clavier comme ça. Waouh, attendez, ça va encore être du grand art. Waouh, waouh. Il y a beaucoup trop d'infos en peu de temps là. Ça part trop loin. C'est beau. C'est un mec qui fait du kayak qui s'est accroché la tête à une branche. Un mec qui a un chapeau de cerise. Non, il essaie d'éviter les crocodiles. C'est pour ça que j'ai marqué crochet. C'est pas crocodile. On écrit pas. Non, il faut pas écrire. On écrit pas. Non, il faut pas écrire. Il fait quoi ? Ok, quoi ? Il survit. Hein ? Mais pensez à moi, je suis belle à croquer, tu vois, par exemple. Ah, mais il fallait faire des dents dans ce cas. Parce que là, il le gobe, c'était gobé ça. Ah, non. Attention. 5. Attention, hein. Est-ce que vous êtes prêts ? Non. Et ça dire que ceci ? Faut que j'aille le revoir, le film. Hein. Vraiment, il n'y a pas c'est moyen. C'est pas grave. Mais comment j'ai fait pour trouver en dernier ce truc ? la petite cœur de lettre là. Au début, je voulais faire celle de. De Pixar. Voilà, je me suis dit non, parce que de toute façon, chaque fois que j'essaye de faire des trucs, j'arrive pas. J'essaye, hein, la lampe de ma grand-mère. Ça commence pareil. Tu arrêtes, par contre. Oh ! Le pré-shot. Oh. Voilà, je vais pas aller plus loin en fait. Non. Ah. Attendez les gars, je suis deuxième. Ça n'est pas arrivé depuis 2004. J'avoue, deuxième. Mais enfin. Mais je sais pas ce qui s'est passé, vraiment, je saurais pas expliquer. Je pense que c'est parce que j'ai trouvé le castor tout à l'heure et ça m'a. Non, c'était pas sur la même game.
Ah, bon. Ouais, mais ça a permis, tu vois, c'est une sorte d'investissement à long terme sur les games suivantes. Voilà, exactement. Je suis quatrième. C'était de très courte durée. Ça n'a pas duré très longtemps. Il y a très peu de points d'écart entre les 5 premiers. Il y a des gens qui sont passés devant moi à Minipad. Yo! Ok. Oh, wow. Oh là, attends. Oui, on a compris que c'était un zoom. Mais sérieux, il l'a trouvé, quoi. Waouh, c'est beau. Ah ouais, fallait trouver quand même. Ok. Jean-Michel, nul en anatomie, évidemment. Hein. Arrête, c'est une photo. Je suis une petite amie. C'est un moustique. Non, calmez-vous. C'est libre, ça, à chaque fois. Il y a tant de mots en fait que ça qui existent dans le dictionnaire. Merde, il y a 4 lettres. Comment ça, it's close? Comment ça, it's close? Ouais, j'avoue. D'accord. What? Oh. Ouais, en fait, c'est le concept... Ok, d'accord. C'est pour ça, close, d'accord. Ok, purée. Heureusement que la bonne lettre est sortie, ouais. Oui, parce que... on aurait bien galéré. Attends, mais c'est... La deuxième, c'est la même. Ah, qu'est-ce qu'on cherche? Là, tu l'as, une lettre près. Comme nous tous, malheureusement. Là, Nora, tu fais du puzzle, tu l'as, le truc. Hein. Moi, j'aurais mis un klaxon ou un truc. Une petite cucaracha. Ouais, mais j'avais pas envie. C'est facile à dessiner, la cucaracha. Je trouve aussi. Oui, évidemment. Moi, je ferais exactement pareil. Waouh, ça va trop loin. Ça y est, je suis perdu. C'est le soleil du chaos, la fameuse étoile à 8 branches. Bon, j'arrête. En fait, c'est le Konami Code. Non, mais je les connais pas, moi. Je veux mourir. Ah. Bah, écoute, pas très bien. Oh. Mais moi, je connais pas les planètes. Hein. Oh. Alors, attends, on va toutes les faire. Là. Mais je les connais pas, moi. Oh, quand même. Bah, mais avec les lettres, là, tu peux retrouver. Ah, on a perdu Amine. Je vais mettre 4 heures. Mais mon dieu, mais comment je peux ne pas trouver ça? Non, mais je suis désolée, mais je suis vraiment nulle, ouais, mon planète. Hein. Mais oui, oh, mais oui, mais... Oh, j'avais oublié... Alors, attends, j'avais oublié que c'était... Il y avait une planète qui s'appelait comme ça, quand même. Il y a tellement d'autres façons, 18+, de faire trouver ce mot. Eh oui. Mais nous ne sommes pas là pour ça ce soir. Non, ça va. Ouais, très bien. Je suis 5e, hein. C'est la dégringolade. Je pense que la planète m'a coûté très cher. Pardon ? C'est une photo. Pardon. Ah, je crois que Amine est branché sur une guirlande de Noël. Mais. Ok, c'est une photo. Oh non, qu'est-ce qui se passe? Attendez, mon PC, qu'est-ce qu'il fait là? Il fait rien, c'est. C'est Amine. C'est Amine qui est en train de. Non, c'est pas ça, mais c'est que je pouvais plus taper, j'ai pas compris pourquoi. Ah, t'avais peut-être pas le focus sur la fenêtre ou un truc comme ça. Non, j'ai appuyé sur un raccourci qui enlève mon clavier, pour être comme une page. Ouais, merde. Voilà, ça c'est un truc Mister Green, il connaît bien, je suis sûr. Mais qu'est-ce qu'il fait, Amine, là? Je sais pas. On l'a perdu. Attendez, pourquoi je dessine avec ça? Pourquoi tu veux Kikenostra?
Non, pas Nostra. Mais arrêtez. Il veut kicker Nostra, mais je sais pourquoi il veut kicker Nostra. Du coup, t'as besoin que de la moitié des gens en dehors de la personne. Ouais, mais par contre, tu peux voter ouais. Que la personne qui dessine. J'hésite. Ah. Ah merde, plus c'est ça. Ah oui. Comment ça, genre Monsieur Vert, il connaît, là, c'est scandaleux. C'est scandaleux ce que tu as, ce que ça implique. De quoi ça s'agit ? C'est chelou. Vous êtes cruelle, madame. Voilà ce que vous êtes. Oui, je sais. Et alors ? Thermomètre, ah ouais, quand même. Ah, je sais pas. Ça pouvait être un thermomètre au mercure. Oh mais oui. Une baguette. Ça va pas bien. La baguette. Ah. La baguette. L'omelette de fromage. Il est en train de creuser l'écart, Monsieur Vert. Ah, Amine a rage quitte. Bah, en même temps, vu comment ça bug, c'est pas trop étonnant, quoi. Alors, c'est lequel ? C'est quel pays ? Non mais moi je suis nulle en géographie, arrêtez. D'accord, bon. C'est tellement plus simple de faire des sphinx et des pyramides après tout. Oui, j'avoue, franchement, je serais bien embêté à faire les continents et tout. Mais bon, ça nous fait réviser la géographie, c'est très bien. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Quoi ? J'aurais pu faire le drapeau, mais vous l'auriez pas reconnu, bon. Il est pas compliqué le drapeau de l'Égypte. Il est noir et rouge. Non, non, mais je sais pas si on est capable de le situer tel quel en réalité. Voilà, donc là vous venez dire les couleurs par exemple du drapeau. Moi j'aurais dit qu'il y avait du vert dessus, je sais pas pourquoi. Alors qu'il y en a absolument pas. Mais je sais, mais. Et parce que. Parce que globalement on veut qu'il y ait du vert dans à peu près tous les drapeaux d'Afrique du Nord. Ah non, même pas, moi c'était pour. Je sais pas. Hein ? Mais qu'est-ce que c'est ? Avec un accent ? Ouais, la lettre me trouve. Je sens que ce qui est vraiment important, on va l'avoir peut-être maintenant. Motorola ? Ah, mais non ! Motorola ? Je suis là. Il y a eu une grande discussion d'ailleurs sur le stream de Justin. Ce midi sur ce qu'était la différence entre un tram et un métro, et le métro à aucun moment ne rencontre la circulation. Le métro oui, sous terre et le tram au-dessus. Absolument pas. Le métro. Ah bon ? Le métro des fois il est au-dessus. Hein. Oui, et des fois t'as des trams qui passent sous des tunnels. Mais le métro ne rencontre jamais la circulation. D'accord. C'est bleu. Et donc c'est ce que Justin il t'a appris. Oui. Et je tiens à préciser que dans les propositions que je n'avais pas pris, il y avait vlogueur. Wow. Ah, mais oui, c'est celui-là. Celui qui est impossible à faire deviner. Enfin, du coup, ça marche. Ah, c'est absolument pas une photo, mais conceptuellement... Oui, ok, ça, j'ai capté, quand même. C'était compliqué, mais j'ai capté. Je pensais être fatiguée, moi. Elle va faire un roue de dos. De toute façon, c'est la fin là. C'est la fin de la oui, raconte. C'est la. C'est peut-être le. C'est peut-être même le dernier mot. C'est le dernier mot. Non, mais quand c'est la fin, c'est la fin. Non, c'est moi le chef. C'est moi qui dis quand c'est la fin. Oh, j'ai pas mis beaucoup là. Fin. C'est trop dommage. Ah oui, j'avais pas vu que j'avais creusé un sacré écart. Ouais. Et si. Eh ben ça faisait longtemps, Scribio, c'était cool. Oui. C'était oui. Sympa, ouais. Moi j'aime beaucoup. Ouais. Eh bien, bah, merci déjà à tous mes camarades de jeu de ce soir. C'est pour ma part, en tout cas, le dernier Mardiva Sound de la saison. Et ma dernière semaine en stream de la saison aussi.
S'il y aura d'autres choses sur Ivasound, ce ne sera pas avec moi, ce sera peut-être avec d'autres gens, on verra. Pour l'instant, je n'en sais absolument rien. De toute manière, je ne serai pas forcément là. Et je reviendrai fin août, début septembre, plutôt fin août. Néanmoins, il est très possible, sans aucun problème, de maintenir ces rendez-vous du mardi soir, même sans moi, même sans des gens de Ivasound, le temps que vous utilisez entre guillemets, le nom Ivasound à bon escient. Et le Discord si possible, ça, voilà. Donc n'hésitez pas à partager la bonne parole et si vous voulez faire des choses comme ça, il n'y a aucun problème. Merci encore une fois mes camarades de soi. Il y avait Mr Green en stream sur sa chaîne Another Mr Green. N'hésitez pas à jeter un œil sur ce qu'il fait. Et en plus, il a rajouté des choses très sympas sur son stream. Il est en train de le faire. Donc ça peut être très sympa et très drôle aussi. Il y a Drego qui va se mettre au stream dans pas si longtemps. Il a une chaîne, mais ça fait longtemps qu'il n'y a pas stream. Donc ça fait 2 mois. Voilà. Suivez bien sûr l'activité d'Ivasound Studio un peu partout. Même si je ne suis pas là, il y aura quand même de l'actualité Ivasound, bien entendu, c'est prévu. Et sinon, je vous retrouve cette semaine, donc demain après-midi, jeudi après-midi, sur comment ça s'appelle, New Super Mario Bros. U Deluxe, et vendredi sur du Pokémon Unite. Et après, je vous souhaiterai de bonnes vacances, enfin vacances de diffusion, parce qu'il y aura quand même du boulot en off. Prenez soin de vous, voilà, restez au frais, hydratez-vous, etc. Bonne nuit, cordialement bisous. Cordialement bisous. Bonne nuit, bonne soirée.